Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, épisode 8. L'épisode maudit car après un mois et demi quasiment, on a, suite à plusieurs problèmes techniques, on peut enfin enregistrer le podcast. Axel vous expliquera plus tard les conditions. Et donc ce soir, pour ce podcast, on reviendra donc sur Raw, on parlera d'NXT TakeOver. Et comme à notre habitude, on fera le débat et on donnera notre top 5 des superstars qu'on voudrait voir briller à WrestleMania 31. Donc pour commencer, j'ai présenté mes deux compères ce soir. Bonjour Alex. Bonjour, bonsoir. Donc Alex qui remplace Thibaut et que vous connaissez sûrement car il fait les previews en direct avec nous habituellement. Et le boss de Catch Actu, Axel. Bonjour à toutes et à tous, ouais, ça fait plaisir d'être de retour dans le podcast, ça m'avait manqué. Ouais, donc on va commencer, mais avant, bah, Axel va vous expliquer donc, pourquoi le podcast a pris tant de temps à arriver. Et voilà, vas-y Axel. Oui, alors c'est vrai que le podcast a connu des périodes assez difficiles ces derniers temps, donc il n'y a pas eu de podcast depuis le 7 janvier, je crois, c'est ça Guillaume, hein. Donc ça fait longtemps, ça fait plus d'un mois, donc on va s'expliquer un petit peu sur les raisons. Donc première raison, c'est j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de retour de avant-hier, donc j'avais des problèmes techniques d'ordinateur, donc étant donné que c'était moi qui faisais les montages et tout ça, sans ordinateur je pouvais absolument rien faire, j'étais même pas présent sur Skype. Donc voilà, c'était impossible de tourner le podcast. Après, j'ai réussi à trouver un ordinateur en attendant pour dépanner. C'était le lendemain du Royal Rumble. Donc on a tourné l'émission du podcast avec la review du Royal Rumble. On avait fait un débat sur faut-il continuer à regarder la WWE ou non. Voilà, c'était un podcast qui était même très intéressant. On était très contents de l'avoir fait. Et bah, quand j'ai coupé l'enregistrement pour faire le montage... Eh bien, l'enregistrement n'avait pas fonctionné, voilà. Donc, on a été maudits jusqu'au bout. Donc, malheureusement, cette review du Royal Rumble n'est pas disponible. On aurait bien aimé vous la faire partager, mais voilà. Après, bah, la semaine dernière, pareil, on a voulu refaire un podcast. Mais un membre de l'équipe s'est blessé en la personne de Alex. Et donc, n'a pas pu être présent pour l'enregistrement. Donc, on a dû redécaler d'une semaine. Mais cette fois-ci, ça y est. Normalement, l'enregistrement va fonctionner. On a pris des précautions. Donc, voilà. Nous sommes officiellement de retour pour ce podcast 8. Et normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis comme ceux qu'on a rencontrés précédemment. Donc, on est reparti pour une bonne série de podcasts. Vous avez été très nombreux à nous demander quand est-ce qu'il va revenir et tout ça. Vous aimez beaucoup le concept de l'émission. Eh bien, sachez que c'est de retour dès maintenant. Après, autre petit changement, comme vous avez peut-être pu le remarquer, Thibaut n'est pas présent. Donc, on fera maintenant cette émission avec Guillaume et Alex. C'est maintenant Guillaume qui a pris les rênes du podcast. Justement, Thibaut est parti. Et pour que vous compreniez pourquoi il est parti, j'aurais bien aimé vous faire partager justement le débat sur faut-il arrêter de regarder la WWE ou non. C'est Thibaut qui avait mis en place ce débat. Et bah, lui, il était d'accord en disant qu'il fallait arrêter de regarder la WWE, et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà pourquoi il ne fait plus partie de l'équipe. Il a décidé de ne plus regarder la WWE après la défaite de Bryan et après tout ce qui s'est passé à la WWE, toutes les mauvaises décisions de la WWE. Il en avait un peu le ras-le-bol, il n'était plus diverti par la WWE et il n'avait pas envie de continuer à regarder une émission qui ne le divertit plus. Donc voilà, Thibaut ne fait plus partie du podcast puisqu'il ne regarde tout simplement plus la WWE. Donc c'est Alex qui nous rejoint et c'est Guillaume qui présente. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, globalement, oui. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On attaque direct avec Raw. Vas-y, Guillaume. Donc, on a commencé Raw avec un John Cena qui arrive dans le ring avec des cheap pop et faisant une promo sur Fastlane, comment il allait battre Rusev. Et c'est parti dans un combat entre Rusev et Cena, dans lequel Cena a pris le dessus. Alors Axel, Alex, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y Alex. Moi franchement, j'aime bien cette rivalité. Alex? Oui. Oh.
Je vais prendre la Excusez-moi, parole, c'est l'heure. non, Ah non? je parlais avec le micro coupé comme d'habitude. GG. Donc oui, je disais, franchement, moi j'aime bien cette rivalité, je le sens bien. Bon, après c'est assez beau quand même, parce que bon, on voit comme d'habitude, au début de Raw, Cena qui fait son blabla, Fastlane, sur le WWE Network, qui est gratuit, bref. Et bon, c'est la même chose qui s'était passée la semaine dernière, sauf que la semaine dernière c'était Rusev qui avait pris le dessus, et là c'est Cena qui a pris le dessus, mais franchement j'aime bien, j'attends avec impatience ce match à Fastlane. D'accord, Axel. Alors bah moi je trouve que ce genre de segment, c'est un peu le genre de segment à répétition hein, qu'on a l'habitude de voir. Je suis content que Fastlane soit ce mois-ci parce que je commence à en avoir un petit peu marre de justement de ce blabla de John Cena toutes les semaines et voilà, c'est toujours les mêmes confrontations. Donc au bout d'un moment, il y a un certain ras-le-bol. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini de les entendre puisque je pense que ça va continuer même après Fastlane. Voilà, moi aussi j'ai hâte de voir le combat de Fastlane parce que pour moi, j'en avais déjà parlé avec toi Guillaume, John Cena est en route pour le titre des États-Unis. Le titre des États-Unis est un titre mineur, donc pour moi John Cena ne sera pas dans le main event, il sera dans le mid-card et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir parce qu'on se l'est tellement pris dans la face dans le main event pendant des années que le voir pour le titre des États-Unis, bah, ça me fait plaisir. Hein. Tu Ça me fait préférais pas ne chier, je sais plus le pas, voir directement? je sais pas. Si, 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 moi ça me fait chier pour Rousseff, ça me fait chier pour Rousseff parce que voilà, il est invaincu, il a le titre des États-Unis et encore une fois, c'est le super-héros John Cena qui va lui piquer le titre et qui va gâcher un talent. Mais pour mon petit plaisir personnel, voilà, voir John Cena en mid-card, j'aime bien. Au contraire, au contraire. Moi, je pense vraiment que Rousseff va gagner pour pouvoir être bien plus haut. Et même Cena, il y a à WrestleMania, ben, l'année dernière, je crois. Il était à mid-card contre Bray Wyatt, je crois que c'était l'année dernière. Et Je sais moi, pas si je on trouvais peut ça bien. considérer ça comme du mid-card. Hein. Là, pour moi, on peut vraiment le considérer parce que c'est pour un titre mineur. Il y a un titre mineur qui est en jeu. Après, à WrestleMania 30, c'était contre Bray Wyatt. C'était quand même une top rivalité. Mais attends, la rivalité n'est pas du tout axée sur le titre US. Ça, on l'a pu le remarquer les dernières semaines. Enfin, On si, à parle Raw, quand du même, si, Cena. à Raw, si, pas mal quand même. Hein. À ce Oui, Raw, mais pas mal. Ouais. on parle de Cena Rousseff. Mais pour le titre des États-Unis, perso, j'ai entendu que à ce rôle-là où Cena Ah a ouais, oui dit c'est vrai, ouais. je vais remporter le titre des États-Unis. Avant, il n'en a pas parlé. C'était vraiment la rivalité Rousseff-Cena. Et on Et n'entendait pas parler de justement, titre. on peut se demander, est-ce que la WWE a pas hésité justement à mettre le titre US en jeu et à se dire on va peut-être décrédibiliser John Cena en lui donnant le titre US? Il y a peut-être ça derrière Sûrement, aussi. sûrement, sûrement. Mais on a pu voir en tout cas les dernières semaines où Il y les en a beaucoup. bookers se sont fait plaisir à faire le heel, le face qui prend le dessus, le va-et-vient entre heel et face. Ça s'est terminé avec un Cena qui a pris le dessus sur Rousseff juste avant Fastlane. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ah, franchement, j'ai trop envie que ce soit Rousseff qui gagne. Moi, je vois le classique. Hein, voilà, John Cena va pas perdre clean, il va perdre par disqualification. Et après, la rivalité va continuer jusqu'à WrestleMania. Et à WrestleMania, on va se taper un John Cena champion des États-Unis. Voilà. Enfin, maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai parce que Rousseff, c'est impossible de gagner Cena en soumission. C'est impossible. Never give up. Ouais, ah oui, en plus, ouais, c'est vrai. Patachi patatra. C'est chaud. Ah, Franchement, et puis j'aimerais non, il a pas bien d'autre qu'il prise, hein. gagne. Ouais, il a rien d'autre. Mais bon, Non, ce serait c'est pas pensé chaud. à ça. On en Ouais. reparlera de toute façon dans la preview Ouais. dimanche soir. Un petit pub là, bien casé. On va continuer du coup avec le match Dean Ambrose contre Banyus Barrett. Non, contre Luke Harper, excusez-moi. Et Dean Ambrose qu'on voit de plus en plus dans le mid-card. Pour reprendre l'argument que tu as, Axel, Dean Ambrose qui veut se battre pour un titre mineur, le titre intercontinental. Et bah, il a fait quelques main events contre Seth Rollins. Et là, on le retrouve dans le mid-card pour le titre intercontinental à affronter des anciens champions IC et à vouloir battre Banyus Barrett. Vous en pensez quoi? Vas-y, Axel. Bah moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce qu'on sait que la WWE en général aime de donner de la confiance à une seule superstar en même temps, c'est-à-dire que elle, pour le titre mondial, elle donne un push à une seule superstar, elle veut pas tous les amener en main event. On lui a déjà fait ce reproche-là d'ailleurs. Et donc, bah, Dean Ambrose était avant dans le main event, mais comme je viens de le dire, la WWE ne laisse la place qu'à une seule superstar pour approcher le main event. Et bah dans la rivalité Seth Rollins Dean Ambrose, c'est Seth Rollins qui s'est imposé. Mais il faut pas s'inquiéter, je pense, pour Dean Ambrose, il l'aura dans le futur.
Mais pour l'instant, c'est Seth Rollins qui a sa place. Et bah justement, en attendant, Dean Ambrose va, je pense, dominer le mid-card. Il va certainement remporter un titre mineur. Et je pense que pour débuter encore sa jeune carrière à la WWE, c'est déjà une bonne chose. Plutôt que de rester dans le mid-card et de rien faire, bah là, il aura au moins une chance pour le titre mineur qu'il remportera très certainement. Et voilà, c'est pas non plus mauvais, même s'il n'est pas dans le top card. Et ça te donne envie, cette rivalité Ambrose-BNB Moi, je suis pas très fan de Bad News Barrett, mais après, moi, voir Dean Ambrose avec le titre intercontinental, ça me donne envie. Après, face à Bad News Barrett, ça sera pas mauvais, je pense. Hein. Ouais, pareil, franchement, pareil. Le titre intercontinental, il est vraiment, je pense qu'il est... Dolph Ziggler, avant Bad News Barrett, c'était Dolph Ziggler qu'il avait. Je pense qu'il a vraiment, comment je peux dire ça, remonté dans l'estime, enfin, comment on peut dire ça? Le titre. Bah, on voit plus le titre continental en Voilà. ce moment, effectivement. Voilà, Il y a il eu est pas mal vraiment. de changements Il est qu'il vraiment a bien. placés en avant. Voilà, donc. Je pense que Dean Ambrose peut vraiment lui donner beaucoup de valeur au titre. Ouais, voilà. Voilà. On rappelle que ça a été le plus long champion des États-Unis. Ouais, bon, ça, c'est un mauvais Ouais, exemple, ça, c'est par un contre. mauvais exemple. Un très très mauvais exemple. Avec deux Non, matchs en en pay-per-view attendant. juste. Mais ça vient pas du catcheur. Ouais, ça vient Ah des non, bookers. en attendant, c'est dans les faits, c'est le plus long champion des États-Unis. Et au moins Ouais. cette fois-ci, on est sûr de. S'il gagne le titre intercontinental, on est sûr de le voir combattre régulièrement Ouais, moi je pour trouve ça de la défendre son gueule. titre. Je trouve ça de la gueule. Voilà. Et puis ça donnera une valeur supplémentaire à Dean Ambrose pour se battre. Ça donnera vraiment quelque chose à. Il peut nous donner de très beaux matchs de championnat, je pense. Oui. Parce que moi, personnellement, Bad News Barrett, j'en ai un peu marre. Un champion intercontinental. On le voit pas beaucoup, c'est ça le Oh, problème. ouais, on le voit Ouais. pas. On le voit pas du tout, même. À part les Bad News Zone là Moi, j'ai qui pas compris hein, signent. pourquoi ils l'ont pas laissé à Ziggler, sérieusement. Ouais, mais ben, c'est parce qu'il s'était blessé, c'était pour ça, Bad News Barrett. Pour lui Ouais, mais. redonner le titre, en fait. Comment ils lui ont redonné comme un voleur Non, là? mais ouais, c'était pour mettre en avant sa rivalité contre l'autorité, mais c'est vrai que ça a été très mal fait. Ouais. Et en attendant, Bad News Barrett avait une bonne pop Ouais, il avait une bonne pop avant qu'il soit blessé là. et même pour son retour, Au il bout d'un avait moment, ils assez de sont lasses. et ouais. Voilà, donc là, je pense que c'est le moment pour Dean Ambrose d'avoir un titre solo, d'enfin gagner un pay-per-view, parce qu'il a gagné aucun match pay-per-view depuis la séparation du Shield, depuis Payback 2014. Et donc, ouais, ça serait bien pour Ambrose, quoi. On n'a pas dit quand est-ce qu'il remportait le titre, hein, donc vous en pensez quoi, vous? La seule manière. Ah oui, moi Ouais, aussi, hein, je c'est pense que obligé. clairement. Hein, Pour vraiment, là, il aurait vraiment de l'impact, là. WrestleMania 31, voilà. Ouais, WrestleMania. Ça serait une belle image. Moi, j'aimerais bien voir ça, WrestleMania 31, en tout cas. Moi aussi. Bon, c'est tout pour ce Ouais, match. on va continuer avec la séparation entre Goldust et Stardust. On a vu dans les vestiaires le père de Cody Rhodes, donc Stardust et Goldust, Dusty Rhodes, qui a fait une apparition pour essayer de recoller les morceaux entre Goldust et Stardust. Ils ont eu un match juste après et on a pu voir Goldust perdre dans le ring après un Trampoline Paradise de Kofi Kofi Kingston. Kingston. Et donc Stardust qui a relevé Goldust et qui lui a mis un Crossroads pour laisser son frère au milieu du ring. Vous en avez pensé quoi? Prochain match? Alex, commence. Ouais, ben ça fait vraiment un bon moment que Stardust contre Goldust devait se faire. Je crois que depuis WrestleMania 29, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça? Non, mais Je me trompe pas? tous les ans on en Mais parle de ça. c'est la bonne année, là, on peut le Donc dire. là, je pense que ça va être vraiment la bonne année parce que c'est vraiment chiant, franchement. Ils étaient bien en tant que. Ils étaient bien en tant que champion par équipe, mais bon, là, franchement, ils font plus rien. Je pense que c'est vraiment la dernière année pour Goldust. Le coup de Stardust a vraiment tué l'équipe, je pense. Au début, ça donnait un petit coup Nouveau, de de push. renouveau en fait, toi. Ouais, voilà, c'était un petit coup de renouveau et au final, là, c'est en train de tuer Stardust, c'est en train de tuer l'équipe. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que apparemment, d'après ce que j'ai compris, Stardust va rester Stardust Ah même oui, après l'équipe. ouais, Hein. mais Oui, oui. là, c'est fini. Cody Rhodes, il n'y en aura plus, hein, Ouais, il l'a lui-même dit malheureusement. et bah moi je trouve ça bizarre. Hein.
Stardust en solo, pour moi, ce sera plus pareil. Ah, c'est vrai que ça va être vraiment bizarre. Surtout que moi, Cody justement, va maintenant que c'est fini, moi j'aimerais bien voir le retour de Cody Rhodes. Hein. J'aimais beaucoup Cody Rhodes. Ouais, c'est. Et ouais, c'est. Après, ça peut être intéressant de voir un Stardust continuer en solo. On sait pas, ça se trouve, il va pouvoir se forger un caractère bien unique, un peu plus fou que quand il est en équipe avec Goldust. Et le voir évoluer en solo, ça peut être intéressant. Voyez-vous Ah, moi je le Stardust vois avec un pas. titre mineur? Ah, moi je le vois pas. Avec aucun titre. Hein, je vois beaucoup plus Cody Rhodes avec un titre mineur que Stardust. Ah Hein. oui. Ah, moi je le On vois sait pas du tout. jamais. Ah, moi personnellement je le vois pas du tout. Ça va Tu voyais faire un Goldust gros avec un bide. titre, tu voyais un Goldust avec un titre intercontinental il y a 20 ans? Ah, mais c'était il y a 20 ans Il y a aussi, il 20 fallait ans. suivre à l'époque. Ouais, voilà, c'est. Ça va faire. Je pense qu'il va Les. faire un gros bide hein, s'il reste à Stardust. Apparemment, c'était un assez bon champion. Enfin, je vais pas me prononcer là-dessus parce que c'était il y a 20 ans, ouais, quasiment à peu près. Et non, je pense que ça peut être intéressant pour Stardust, mais il faut faire attention à pas l'achever, quoi. C'est. On le laisse envoler de ses propres ailes, là. On lui donne une chance de faire ses preuves en solo. Et après, c'est à lui de réussir à prendre le pas et puis Bon, faire pour quelque vous, la chose de bien. séparation est officielle. Oui, c'est Bon, clair et net. ouais, Ouais, j'espère. J'espère que ce sera de cette manière. Il y a beaucoup, beaucoup d'indices. Et voilà, là, on approche de plus en plus de Fastlane. Donc, ce sera pas pour Fastlane. Donc, logiquement, ce Je sera sais pour pas. ce WrestleMania là. J'espère pas qu'ils vont nous le faire à Fastlane. Genre un match Oh non. viteuf là, j'espère pas. Parce que c'est vraiment. Je sais pas, franchement. Je pense qu'ils risquent d'annoncer quelque chose à SmackDown qui passera jeudi. Et pourquoi pas un match à Fastlane? Mais ça se finira en disqualification et il y aura un vrai beau match à Mania, je pense. Ou alors ils vont encore nous foutre un match par équipe avec eux à Fastlane et il y aura une autre embrouille à Fastlane. Non, 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 là c'est la séparation définitive. Là, je pense pas qu'ils refont l'équipe une seule fois. Bon, on a fait le tour. Oui. Bah, on peut continuer avec le match des Divas. Donc, on a pu voir dans les vestiaires les Bella Twins qui ont volé les habits de ring à Paige. Et donc, Paige qui a pris le costume d'un des Rosebuds qui passait par là pour pouvoir avoir un match contre Summer Rae, il me semble. Oui. Match qu'elle a gagné. Et avec une suite un peu plus intéressante que le match lui-même. C'est-à-dire que les Bellas sont arrivées pour se foutre de la gueule de Paige. Et Paige qui a répliqué en disant que elle, au moins, elle n'avait pas besoin de costume pour être bonne dans le ring. Et qu'elle avait juste besoin de gagner. C'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle fera à Fastlane. Axel, t'en as pensé quoi? Ça vous a pas fait penser à quelque chose, ce scénario? C'est-à-dire? À d'autres divas dans le passé qui avaient eu à peu près la même situation. Bah moi ça m'a rappelé les Lay Cool, Michelle McCool et Exactement, Lay Cool avec Ziggler. Mickie James, Oui. c'était ex bah, c'est exactement le même scénario. Hein. Ils se foutent de leur gueule. Avant, il y avait des photos de Piggy James. Ouais, sauf que Voilà, là c'est moins Piggy. méchant quand même quoi. Là ils sont Oui, je suis calmes. d'accord. Mais voilà, c'est le même genre. Ils se foutent de sa gueule. Ils font des blagues. Voilà, c'est. Moi, je reconnais dans les Bella Twins les cool. Après, je pense que Guillaume, tu vas le dire après, mais Paige a perdu beaucoup de crédibilité. Oui, non, mais Après, définitivement. ça va être le point. Comment dire? Ça va être la soumise, en gros, de la rivalité, quoi. Elle va se soumettre aux deux, elle va beaucoup subir. Je pense pas. Mais au final, après, à la fin de la rivalité, elle va. C'est elle qui va remporter la rivalité, comme toujours. Bah, on verra. Vas-y, Alex. Ouais, pareil, je trouve qu'elle a vraiment perdu de la crédibilité, ouais, Paige. Avec ça, là. Et en même temps, comment ne pas perdre de la crédibilité? Quand t'as des belles chaussettes comme ça. Ouais. D'ailleurs, je vais les offrir à Axel. Ouais, franchement, je sais pas. Moi, j'aurais bien vu Paige gagner à Fastlane. Mais bon, on en reparlera dans On la verra preview, dans la on preview. verra. Mais moi personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid quoi. Cette rivalité déjà, bah, elle a commencé par Paige et Natalya contre les Bella Twins. C'était pas très prometteur. Au final, ça a fini avec un Paige contre Nikki Bella. C'est, je sais pas. Après, ça peut peut-être donner quelque chose de bon, mais Moi, j'aurais préféré Nathalie, hein. c'est sûr. Mais pour Moi, l'instant, j'en ai marre de Natalya est Paige là. avec Hein.
Ouais. Natalia est avec Tyson Kidd et Cesaro. On en reparlera plus tard. Faut chier. Moi j'aurais Quoi? bien aimé Attends. avoir Natalia, hein, numéro 1 contender au Elle est titre. très talentueuse en plus. Ouais. Oui. Elle le mérite un peu. Paige aussi, Paige aussi. Et après, tu disais que Ouais, Paige mais serait un Paige, Smith de on la l'a beaucoup rivalité. vu. Ouais, Natalia, ça fait 5 ou 6 ans qu'elle est là. Elle aussi, on l'a pas mal vue. Hein. Voilà, mais Non, mais je veux elle a dire pour pas le eu titre, de il est pour le là. titre, ouais, elle a pas eu pour le titre. Ah, récemment. Récemment. Ouais, récemment. Ouais. Mais après, tu disais, je vais revenir sur ce que tu as dit, Axel. Paige, ça sera un peu la soumise de cette rivalité. Non, à mon avis, elle va prendre pas mal dans la gueule au début. Et après, Fastlane, elle va sûrement perdre par disqualification. Brie Bella qui va intervenir. On en reparlera. Et je pense qu'après ça, elle risque d'être un peu plus dure et de va faire un peu plus Comme Mickie va-vite là. James, hein, ça va être le même scénario. C'est Ok. pas un nouveau truc, hein. On l'a déjà vu. Oui, non, mais comme tout dans la WWE, quoi, on a tout déjà vu. Mais là, je pense que Paige va sûrement péter un câble après Fastlane. Ouais, mais elle va quand même s'en prendre bien plein la gueule pendant un petit moment, là. Ça fait déjà un petit moment. Moi, je pense qu'on va encore se le taper à WrestleMania, ce match-là, je pense, hein. Sûrement. J'aimerais bien un match des Divas à WrestleMania. Ce serait que le deuxième dans l'histoire. Il faut savoir que l'année dernière, c'était le match pour le titre d'AJ Lee à WrestleMania. Il faut savoir que c'était le premier match des Divas à WrestleMania pour le titre des Divas. Et donc, ce serait bien d'avoir un deuxième match Mais non. un contre un, quoi. Ah, pour le titre des Divas, ah ouais, si tu comptes pas le Women's Championship, oui, d'accord. Oui, pour le titre des Divas. Ouais, bah, Et le là, ce titre serait bien Diva, d'avoir un il l'a match. depuis 2008 aussi, c'est pas énorme. Enfin, entre 2008 et 2014, il y avait quand même pas mal de WrestleMania. Il y en a un par an. Ils auraient pu en caser un, quoi. Ouais. Bref. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour aussi. Ensuite, on va venir à une possible rivalité qui intéresse pas mal de monde. Moi, personnellement, elle me fait saliver cette rivalité. C'est Dolph Ziggler contre Seth Rollins. On a pu voir un début de combat entre les deux qui ont eu un match d'ailleurs à Raw. Et On a pu voir un début de combat qui ont eu un match, oui. D'accord. voilà, On ok. a pu voir un match tout court, hein. Voilà. Et donc on sent le début de rivalité entre les deux qui partira Ah, moi je et le sens pas sûrement comme jusqu'à ça. WrestleMania. Je pense que ça ira jusqu'à WrestleMania. Réellement. Parce On est là qu'on pour en parler justement, on va voir. On a vu Rollins qui en voulait à Dolph Ziggler parce qu'il était toujours là pour contrer ses plans de heel, bla bla bla. Et je pense réellement que il y aura peut-être pas un match à Fastlane, mais il y aura sûrement un match à WrestleMania parce que aucun des deux n'a quelque chose de prévu pour Mania. Rollins, on parle de qui cacherait sa mallette à WrestleMania, mais je pense pas. Je pense que ça se fera un peu après. Et Dolph Ziggler, il n'y a absolument rien de prévu. On avait parlé d'un Brian Ziggler, mais apparemment les planches auraient changé pour Ouais, on va Brian. voir ça après Fastlane, Il y hein. aurait eu après, il y Ouais. avait après aussi un tag team pour Ziggler. Oui, un tag team avec Ryback, Ouais, ça j'ai oui. Mais... tellement rigolé. Ryback rigole pas trop parce que moi je vois toujours ça. Ouais, Hein. moi aussi, Non, personnellement non. je vois ça moi aussi. Mais Moi. justement, hein, parlons déjà du Ziggler Rollins là Ouais, alors. voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ouais, d'accord, signe tout de suite. C'est deux superstars montantes. Oui, tu signes, mais est-ce que tu crois qu'on va voir ça? Pour Fastlane, certainement, mais pas pour WrestleMania. Moi, je verrais plus pour Mania et pas pour Fastlane. Je pense qu'ils vont axer pas mal cette rivalité Ben moi je verrai jamais, vous voyez, donc moi quand j'ai lu, j'ai pas compris ta question parce que je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Certes, Ziggler et Rollins ont eu un combat en face à face. Certes, Rollins a reproché des trucs à Ziggler, mais à chaque fois, à chaque confrontation qu'ils ont eue, Ziggler était jamais tout seul. Ouais. Ou alors Pas moi je faux. verrais bien Moi je vois Seth Rollins, Jay et Jay Security contre Dolph Ziggler, Dolph Rowan Ziggler et et Rowan. Ryback. Mais je vois pas du tout un Je verrais affrontement en ça à solo. Fastlane, moi perso. Et un affrontement un contre un Mania. Non. On Ça aura verra plus changé d'ici tard. là. Il y aura une autre rivalité après Fastlane. Mais Ah, Fastlane, je oui, suis pour pas moi, sûr. on va se taper un six-man tag team match. Sinon, je vois pas qu'est-ce que les deux autres viennent foutre avec Ziggler
dans le segment de Raw. Bah, il faut bien leur place, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre sinon? Je sais pas, ils vont aller dans le low card et puis voilà. Ils vont affronter Los Matadores et puis voilà. Non, mais il faut quand même qu'il y ait... qu'il y ait quand même des liens avec. S'ils sont inclus dans ces segments-là, c'est qu'ils y jouent un rôle quand même. Donc, J&J Security, ils vont, à un moment ou à un autre, ils vont combattre. Hein. Je pensais déjà qu'ils allaient le faire depuis longtemps. Ils vont avoir leur match en pay-per-view et ils vont affronter Ziggler, Rowan et Ryback. On verra. Bon, ça se dessine pas comme une rivalité solo, je trouve. Je le vois pas comme ça, moi. Ah, en même temps que j'y réfléchis, c'est pas faux, Axel. Qui est-ce qui... Moi, je verrais bien un début comme ça. Et pour l'autorité, pour J&J Security, je pense qu'ils vont rester derrière Rollins. Et que pourquoi pas Ryback et Rowan tout simplement se séparer et puis repartir en solo. Ça, c'est aussi possible. Hein. Je pense qu'après Fastlane et un possible match Six Tag Tag Team Match, je pense qu'après ça, Rowan et Ryback, ils vont repartir en solo. Et je verrais vraiment une rivalité Ziggler-Rollins. Vraiment. Parce ça me fait envie, hein. Moi j'aimerais bien. Oui, mais la WWE a essayé de mettre Ziggler en avant. Et ils savent que les fans veulent un bon essayer. Match. Elle a réussi quand même. Après, elle a merdé. Hein. Oui, et plus d'une fois. Et elle continue à merder aussi. Mais la rivalité entre les deux... serait vraiment un plus, et pas seulement pour Ziggler, pour Rollins aussi. En même ça temps, mettrait vraiment Rollins en avant. Comment tu veux mettre Ziggler en avant en le mettant en équipe avec Ryback et Rowan? Ben voilà, c'est ça qui est dur. Là, s'ils ont trouvé Rollins pour le mettre en avant, là, Ziggler, mettre les deux en avant en même temps, c'est... Il était en solo, il était bien reparti, et là, il nous le recolle avec Ryback, quoi. Ils savent pas quoi faire. On en avait parlé avec toi, Guillaume. Moi, ça m'avait énervé. C'était ouais. À SmackDown, je crois. Dans un SmackDown Fallout. Ils avaient juste fait un tag team dans le SmackDown. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. On va quand même pas faire équipe. Après, j'étais sur la chaîne YouTube de la WWE. Et dans le Fallout, ça se voyait clairement qu'ils allaient monter une tag team. Et... Voilà. Non, mais voilà. Après, ils ont sûrement. Avec la WWE, on sait jamais. Ils changent tout le temps les plans. Ils savent jamais quoi faire jusqu'au dernier moment. On verra. Mais pourquoi pas une rivalité comme ça? Ça serait vraiment bien. Ouais. Et la plupart des fans l'aimeraient. Ah ouais, avec le Dean Ambrose, malgré que je ne sois pas fan de Wade Barrett, Dean Ambrose vers le titre intercontinental, plus ce match-là, WrestleMania, ça remonte déjà le niveau de la carte. Ouais. Plus qu'un Lesnar Reigns. Bref, sans transition, on va passer au segment de Triple H qui s'adressait à Sting et durant lequel on a pu voir une légende, Ric Flair, faire son bah, une petite apparition. Faire une petite apparition pour faire un peu la leçon à Triple H en disant de pas trop prendre confiance, en disant que Sting c'était quand même un adversaire sérieux qu'il fallait pas prendre à la légère. Et Triple H l'a assez mal pris. Il a poussé Ric Flair, il a fait tomber. Enfin, bref, le méchant heel, quoi. C'est. Vous en avez pensé quoi, ce petit segment? Vas-y. J'ai l'impression que c'est... toi, Guillaume, t'aimes pas, on dirait. À chaque fois que tu parles de ce segment. Non, mais. Le méchant heel, nanana. Non, mais voilà, Triple H, ok, c'est le match WCW contre WWE. Mais à côté de ça, on voit Triple H. Moi, en fait, ce que je comprends pas dans cette rivalité, c'est pourquoi Sting vient là, en fait. Le mec, il arrive, il fait gagner deux fois Cena, c'est-à-dire Team Cena et John Cena à Raw une fois. Et voilà. Et je vois pas ce qu'il vient foutre avec l'autorité, je vois pas ce qu'il vient foutre avec Triple H. Je comprends que Triple H, lui, par contre, je comprends. Il peut être mad contre lui en disant « Ouais, à chaque fois, tu viens là, tu me les brises, c'est chiant, quoi. » C'est clairement ça, la base de la rivalité. Mais après, je vois pas ce que Sting vient foutre là.
Ok, Bah, je suis content de le c'est les voir. plans qui étaient comme ça. C'est planifié depuis longtemps que Sting doit affronter Triple H à Ils auraient WrestleMania. dû le Donc ils faire. ont fait un booking autour de ça, comme ça, en coûtant la victoire à l'autorité à chaque fois. Mec, t'es, on va dire, t'as un marque. Tu regardes, c'était Survivor Series. Tu vois Sting arriver et faire gagner Ziggler. C'est quoi ta réaction? En vrai, tu te dis pourquoi? Non? Sting, il a signé avec la fédération, faut bien qu'il s'en Non, prenne non, à non, non, quelqu'un. non, non. Je dis Après, bien, t'as un marque. T'as un oui, marque, tu regardes le en truc. tant que marque, oui, je suis d'accord. Voilà, il n'y a aucun sens dans cette rivalité. Aucun sens. Mais tu voulais l'amener comment sinon? Je sais pas, je suis pas booker de la Y WWE. a, à la rigueur, pour qu'il y ait quelque chose de logique, il aurait fallu que Sting s'en prenne à un ancien rival à lui, qui lui dise tu m'as coûté ma carrière ou un truc du genre, mais il n'y a personne qui ait eu sa carrière. Il n'a jamais été à la WWE, c'est comme si c'était un nouveau en fait, qui vient d'arriver dans la fédération, Alors. c'est même le cas. Et il n'y a aucun ancien de la WCW dans la fédération, donc tu peux Attends, pas Big faire de Show. lien avec son passé. Ils auraient pu faire un truc avec Big Show. Non, je déconne, bien sûr. Ça aurait enterré Sting. Mais. Non, je sais pas, y a un problème dans cette rivalité. Il y a. Moi, je vois pas comment faire un autre booking que celui-là. Franchement, Oui, Sting qui après, c'est la arrive, pareille. qui coûte le pouvoir à l'autorité, justement. Et après, c'est le gentil face, tout ça, qui doit taper sur les doigts des méchants heels. C'est basiquement le principe de cette rivalité, mais il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans. S'il y aurait eu un scénario qui aurait été plus crédible, je pense, et c'est le seul qui aurait été supérieur, c'est le faire revenir face à l'Undertaker. Voilà, Le là, ok. dream match que tout le monde voulait. Mais c'est pareil, Sting, ça aurait été pareil. Oui. Il n'y aurait eu aucun lien, il aurait fallu créer une base pour. Il y aura un lien de caractère parce que c'est tout. Les deux, ce Ouais. sont des personnages dark. Enfin, Enfin, la je sais pas dark si on peut quoi, dire ça comme celui ça. qui gagne est plus dark que l'autre, ouais, bof. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit Ça problème aurait dans fait cette comme rivalité. Bray Wyatt actuellement, on va en reparler après, Ouais, mais. il fallait créer un truc. Hein. Faut que Voilà. ça parte de quelque part. Et là, Sting, bah, c'est parti du fait qu'il a coûté la victoire à l'autorité au Survivor Series. C'était d'ailleurs un retour inattendu, on s'attendait absolument pas à ce qu'il fasse ses débuts à ce pay-per-view-là. C'était une très bonne surprise, moi j'ai beaucoup aimé ce moment. Dommage qu'on me laisse spoiler, mais non, le retour de Sting, je pense que j'ai un problème avec ça dans le sens où je sais pas ce qu'il voit encore sur un ring. J'ai peur que ce soit le. Je l'ai pas regardé à la TNA. Pour moi, c'est. Demande à Alex Je. ce Ouais, qu'il je lui a sais. dit tout à l'heure, Ouais, je l'ai parce dit qu'on tout en à l'heure, parlait là. déjà. Donc, Alex, toi qui l'as vu, qui l'as un peu suivi à la TNA, tu l'as trouvé comment? Il Ben, y a quelques années. franchement, il est bon, il est vraiment technique, mais il faudra pas s'attendre à un grand match en fait. Franchement, c'est un peu le même style que Taker en fait. Voilà, c'est un bon catcheur, mais tu vois, c'est pas extraordinaire quoi. Enfin, si. C'est un bon catcheur, ça fera de bons On matchs, commence à certainement. ressentir son âge, quoi. Voilà, il sent son âge, mais. Je vais redire ce qu'on a dit tout à l'heure, mais pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que Sting, physiquement, il a l'air plus prêt actuellement que l'Undertaker, malgré qu'il soit plus âgé que l'Undertaker. Pour moi, Sting est plus prêt physiquement que l'Undertaker à combattre Ah, à c'est sûr, WrestleMania c'est sûr. 31. Ben, pour moi, c'est sûr. Hein. Oui. En même temps, il s'est pas tapé un match par an qu'il a détruit physiquement et mentalement ces 10 dernières années, quoi. Ouais. Lui, il en faisait toutes Voilà. les semaines, Sting à Mais bon, TNA. d'après ce que j'ai vu à la TNA, il y a quand même eu des combats violents quand Ah même. oui. Ouais, il a eu quand même quelques années entre les deux pour se remettre. Enfin bref, faudrait que je revoie des matchs de lui à la TNA, ses derniers matchs, pourquoi pas. Mais je pense que j'ai vraiment peur que ce soit un flop, quoi. Qu'il soit pas trop vieux, mais qu'il soit plus assez bon dans le ring pour un dernier match à WrestleMania. Moi, je suis curieux, je suis très curieux. J'aime bien la rivalité. Moi, j'aime bien comment c'est fait, justement. Voilà, j'ai bien aimé l'apparition de Ric Flair, justement, qui venait défendre Sting. Parce que voilà, c'est Ric Flair a un lien avec Sting. Il l'a déjà affronté. Il a déjà perdu face à Sting en moins de 60 secondes. Donc, il était crédible en avançant les paroles qu'il a dit. Et voilà. Comme tu l'as dit, Triple H, le grand méchant heel qui pousse Ric Flair, mais voilà, il est bien, il est dans son attitude, dans son caractère, il joue bien le rôle dans sa rivalité,
Et voilà, pour moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autre meilleur choix que Triple H, si ce n'est l'Undertaker, voilà. Vous auriez mis qui sinon à la place de Triple H? Pourquoi pas Bray Wyatt? Un jeune Ça aurait pu talent, être ouais. intéressant. Ouais. Et bon, s'ils avaient prévu déjà Bray Wyatt pour l'Undertaker, on va en reparler. Après. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas Zack Ryder? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, on en reparle de Ric Flair qui a tellement galéré au micro à Raw. Ouais, Putain, il devait mais. être fou en fait, je pense. Il. À chaque fois qu'il apparaît, je sais pas, il a l'air C'est vrai, défoncé ce ouais. mec. Il parle vraiment bizarrement. Il devait. On voyait très bien le script qui était le suivant. C'était Ric Flair qui arrivait, qui mettait en garde Triple H en disant ouais, fais gaffe. Et je sais pas, au début, pendant 2-3 minutes, il a commencé à. Je sais pas, et je sais plus dans quel speech il est parti, mais totalement autre chose. Même Triple H a dû le remettre dans le droit chemin en disant ouais, enfin, si t'es là pour me parler de ça, histoire de revenir dans le truc de base. Ric Flair, franchement, je sais pas si ça sert à quelque chose de le garder, quoi. Non, mais il fait des rares apparitions quand même. Là, il va pas réapparaître. Hein. C'est Ouais, rare mais quand même. c'est. Moi, ça me Il fait galère comme. plaisir de le voir. Oui, c'est sûr, mais à chaque fois qu'il vient, il se fait défoncer, quoi. La dernière fois, c'était contre le Big Show, il s'est pris une droite. Là, il s'est fait. Putain, C'est. excusez-moi du mot, mais il s'est fait victimiser par Triple H. Le mec, à chaque fois qu'il vient, il prend cher, quoi. Il Ouais. a. Peut-être arrêter. Pareil, hein, il est bien aimé de la foule. Ouais. Voilà le fait qu'il, comme tu dis, qu'il se fasse victimiser. Bah, les heels sont de plus en plus heels, du coup. C'est le cas pour Triple H. Voilà, comme tu dis, le grand méchant heel au Triple H. Mais encore une fois, il a bien rempli sa tâche et son rôle. On pourra pas enlever ça à Triple H qui est toujours assez bon malgré qu'il soit plus. Bah, remarque, en fait, c'est pas tant ça. Je voulais dire qu'il était toujours aussi bon malgré qu'il catche plus dans le ring, mais il garde toujours son rôle de heel, même avec l'autorité. Même dans le ring, on peut pas dire qu'il soit mauvais, hein, face à Brian, l'année dernière. Mais il continue souvent à s'entraîner. Ouais. Il veut pas partir. Hein. Il lâchera pas le business. Il lâchera pas le ring. Tant mieux. Pour moi, tant mieux. Tant qu'il continue à s'entraîner. Ouais. C'est sûr. Qui nous fait pas une Batista, ça va. Il fera du ciné après. Il ira à Hollywood. Bon, on va passer maintenant au retour. Au retour de Darren Young, ça représente pas grand-chose, mais par contre le retour des prime-time players. Non, faut avouer que Darren Young, il y avait pas mal de monde qui l'avait oublié, mais prime-time players, c'est une équipe qui a déjà fait ses preuves dans le passé, et voir une nouvelle équipe qui est déjà confirmée, enfin affirmée dans leur talent, si je puis m'exprimer ainsi, c'est bien parce que la division tag team, on a désespérément besoin. Et voir le retour des primetime players peut être intéressant, je pense. Toi, Alex? Ouais, ben pour moi c'est obligé qu'ils sont tag team par équipe. Hein. Je crois que quand ils étaient ensemble, ils ont jamais été champions, il me semble. Non, non. Et pourtant, c'est une très bonne équipe. Moi, à l'époque, je trouvais qu'ils catchaient vraiment très bien. Et bon, après, c'est parti en live. Et bon, là, il n'y a que eux. Hein. À part C'était un. The Ascension. Mais non, eux, on va oublier pour le titre. Mais il n'y a que eux. Ouais, il n'y a que eux. Parce qu'après On en reparlera. ça va faire que des matchs répétitifs, donc il y a que. On verra tout à l'heure. Bah, juste après. Un peu après. Et. Non, mais. Bah, je voulais te laisser parler, Axel, avant. Bah oui, pour moi c'est une bonne chose de les ramener. Je pense même que la WWE avait pas le choix. Hein. Elle s'est dit, on a l'occasion d'amener une nouvelle équipe. On est en manque d'équipe pour la division par équipe. Et ben allons-y, rassemblons Darren Young et Titus O'Neil. Bah voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. En plus, ils viennent de séparer Goldust et Stardust. Donc voilà, il faut obligatoirement créer des équipes. L'occasion s'est présentée. Voilà, retour de Darren Young, reformer les Prime Time Players. Voilà. Pour moi, c'était. En réfléchissant bien, c'était logique même. Hein. On aurait pu s'y attendre.
Ok. Personnellement, pour c'est quelque chose de bénéfique pour la division, quoi. C'est une équipe, oui, j'ai déjà dit, quoi. C'est ils ont déjà fait leur preuve, ça peut ils peuvent partir pour le titre. Et comme ils l'ont, comme Darren Young l'a dit dans le Raw Fallout, c'est ils sont certainement reformés, et là ils partent pour le titre, enfin du moins ce qu'ils aimeraient faire. Et bah pourquoi pas, mais on verra après qui sont les champions et si c'est vraiment intéressant pour eux, quoi. Par contre, il y a toujours ce problème de manque de crédibilité. Les deux se sont séparés il y a un an. Voilà, ils ont eu un match à Elimination Chamber 2014, je crois. Et voilà, et ben là, un an après, comme d'habitude, la WWE fait oublier le passé à ses fans. Et voilà, ils se réunissent, l'air de rien. Voilà. Il y a un Perso, peu un manque d'incohérence, mais bon, c'est une habitude, hein. j'ai bien aimé. Moi, ça m'a surpris de voir la réunification. Je m'attendais pas vraiment, en perso. C'était le Non, retour non, de Darren Young et on voit Titus O'Neil qui revient pour le défendre. J'ai bien aimé. je m'y attendais pas non plus, mais maintenant que je l'ai vu, bah, je me suis dit, bah oui, en fait, c'était logique. Voilà. Logique, logique, c'était quand même. Si, si, bah, quand tu te mets dans la tête des bookers, tu as Titus O'Neil en ce moment qui faisait rien en solo, tu as Darren Young qui revient, les deux étaient deux anciens membres d'une même équipe. Il faisait du bon boulot. On est en manque d'équipe en ce moment pour la division par équipe. Et bah voilà. Là après. Ouais, mais au passage, on peut dire aussi Rest in Peace à Heath Slater, du coup, qui est maintenant séparé de Titus O'Neil et qu'on risque de plus voir du tout. Donc, dernier membre des 3MB, adieu. Non, mais Mais hop, il non. y a encore des live events à la WWE. C'est bon. J'avoue. Bon, on passe, du coup, on reste sur les tag team et on va parler de Cesaro et Tyson Kidd qui ont un tag team mix match. Jimmy Uso et non, pas Naomi. Cameron, Naomi, merci, contre Tyson Kidd et Natalya. Juste avant le match, ils ont annoncé donc le match pour les titres par équipe à Fastlane, Cesaro et Kidd contre les champions, les Usos. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça, Axel? J'ai envie de dire enfin, moi, parce que je l'attendais, cette annonce. Je suis content que ça ait lieu ce match. J'espère vraiment que Cesaro et Kidd vont gagner. Je suis pas un très très grand fan de Cesaro, malgré qu'il soit très talentueux, je le reconnais. Je suis plus fan de Tyson Kidd, je trouve qu'elle a énormément de talent. Les deux en équipe font un excellent boulot. Les Usos champions, on commence à en avoir franchement ras la casquette. Ouais. Voilà. Donc, on a l'occasion d'avoir du changement, on a l'occasion d'avoir de bons champions, de champions talentueux. Donc, j'ai envie de dire, bah, laissez les bons temps rouler. Voilà, Oh, Alex. c'était beau cette phrase. J'avoue, GG. Ouais, pareil, il fallait que ça change. Je pense que. Ouais, moi aussi, personnellement, j'attendais ce match. Je l'attendais beaucoup. Parce qu'il faut pas se le cacher, là, ils ont vraiment monté en puissance, cette équipe. Et bon, je dirais pas ce que je pense pour le match de Fastlane, puisqu'on va faire la preview, mais ouais, j'attendais vraiment ce match avec impatience. Comme Axel. D'accord. Mais franchement, ça peut être que bénéfique pour les deux. Cesaro, je suis désolé Axel, mais je préfère Cesaro à Tyson Kidd. Cesaro a beaucoup. Les deux sont très talentueux, mais je trouve que Cesaro a vraiment tout pour plaire. Le mec est puissant, il est technique et il peut même être pas aérien, mais avoir ce petit côté fou et cascadeur qu'il a parfois quand il fait des springboards et des rebonds dans les corps, Moi tu je le vois. reconnais, hein. Je le reconnais qu'il est très talentueux. Moi c'est le côté agile que j'aime bien de Tyson Kidd. Ah Après oui. c'est personnel, hein. C'est totalement personnel. Je reconnais que Cesaro est très talentueux. Tout ce que tu as dit est vrai. Mais c'est question de goût après. Et les deux ensemble sont vraiment. C'est vraiment une bonne équipe, bien trouvée. Je suis vraiment content pour eux. Ils ont vraiment leur première chance pour le titre. J'espère qu'ils vont. Mais ils vont l'apprendre, ils vont bien l'apprendre et gagner les titres à Fastlane, ça serait bah cool. Et enfin des champions
talentueux qu'on voit pas aussi souvent que les Usos, parce que les Usos sont aussi très talentueux, mais on les voit et tout le temps depuis trop. Plus d'un On an. les voit trop. Oui, c'est ça quoi. Ça devient lourd. C'est pas leur faute, y'a là, que Tyson. Ouais, voilà, Cesaro et Tyson Kidd là, c'est nouveau, c'est vraiment une très bonne équipe. Perso, je suis très content pour eux, vraiment. On a tous parlé, ouais. Oui. Oui. On va continuer donc avec le Miz et Miz Do. Miz Do qui s'est récemment fait virer de par The Miz en tant que stun double. Et je sais plus comment on dit en français. Et donc il a eu un poste de d'assistant pour The Miz, et à chaque fois que Miz Do a eu un match solo, The Miz était là pour l'embêter et pour le faire perdre. Et donc là on voyait vraiment que The Miz était jaloux de Miz Do et qu'il a vraiment tout fait pour le faire chier jusqu'au bout. Vous pensez quoi de ce début de rivalité, de cette séparation Miz Do, prochain match? Ben, Axel, pourquoi pas aussi à WrestleMania 31? Moi je serais pour, hein. Moi aussi. Goldust Stardust, Miz Do contre The Miz, voilà. Moi c'est excusez-moi, c'est le genre de rivalité qu'il faut mettre en place, mais faut pas les faire durer trop longtemps. Au bout d'un moment, on va en avoir ras-le-bol. Moi, Miz Do, j'étais déjà pas fan du gimmick. Mais là, maintenant qu'il est en rivalité avec The Miz, voilà, le fait que The Miz soit jaloux de Miz Do, ça va pendant 2 minutes, mais j'espère vraiment que ça va vite se terminer, qu'il va y avoir un match entre les deux, que la rivalité va se terminer, que Miz Do va aller en solo de son côté et que The Miz va lui aussi repartir en solo de son côté. Et voilà, donc j'espère que le match aura lieu à WrestleMania 31, j'ai envie de voir ce match, voilà. J'espère d'ailleurs que Miz Do va gagner, pourquoi pas, pour relancer un peu sa carrière. Peut-être que vous savez que je suis pas fan de Miz Do, hein. Oui, même en tant que Damien Sandow, j'étais pas très fan, mais je lui souhaite quand même une victoire, parce que bon, ces derniers temps, avant sa période Miz Do, il était vraiment devenu, il a perdu son cash pour le Money in the Bank, voilà, il était vraiment descendu aux enfers. La période de Miz Do lui a permis de gagner beaucoup en popularité, et voilà, j'espère juste pour lui que c'est même sûr, là, le gimmick de Miz Do va se terminer. J'espère que ça ne va pas lui coûter sa popularité et qu'il ne va pas faire cette redescente aux enfers. Voilà, donc je souhaite un bon avenir à Damien Sandow. Voilà. Alex, personnellement, ouais, moi aussi, j'aimerais bien voir ce match pour WrestleMania 31, mais j'ai peur que malheureusement pour Axel, ça, je pense que ça va durer un peu plus longtemps qu'il espère. Parce que franchement, si Miz Do gagne, ça serait bien pour Miz Do. Mais après, je sais pas comment comment ça peut se passer en fait. Parce que Miz, ouais, changement de gimmick. Miz, là personnellement, on va le mettre où après? Parce qu'il, enfin, on va le laisser à Miz, mais il a plus de cote, il a plus rien. Le mec, c'est même. Ouais, mais à ce compte-là, la rivalité, on l'a fait durer pendant 10 ans. C'est pour mettre The Miz, on l'a laissé. Non, Miz, il peut continuer en solo. Oui, Miz, il peut continuer en solo, mais il a plus rien. Il a plus de. Il a toujours de la crédibilité. Ça fait très longtemps qu'il est là. Il a toujours eu une part de crédibilité. En heel, là, franchement, son gimmick de A-lister, de Moneymaker. Star d'Hollywood, Moneymaker, tout ça, franchement, ça lui allait assez bien. J'ai plus peur pour Sandow personnellement. C'est vraiment. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment Miz Do et sans son caractère de. C'est qui tout double. Voilà. C'est. Mais après, il va redevenir Sandow, mais ça, je sais pas, ça va être bizarre. Hein. Ouais, ça va dépendre du booking, ça va dépendre des fans aussi. Est-ce qu'ils vont continuer à le soutenir en tant que Damien Sandow ou pas? Bah, en même temps, s'il revient en disant You're welcome, je pense pas qu'il aurait une bonne pop. On a pu le voir quand il avait son rôle d'assistant au Miz, que sans forcément refaire les mêmes moves que The Miz, il avait une bonne pop et que le public était derrière lui, qu'il se connaît à fond. Le public a toujours en tête le Miz Do en tant que doublure de The Miz. Quand tu penses à Miz Do, tu penses toujours à la doublure de The Miz. Quand il redeviendra Damien Sandow, ce sera un nouveau pas de franchise, je pense. Hein. Pour moi, la foule ne réagira pas pareil. Et
Malheureusement pour lui, je pense qu'il ne sera pas autant populaire qu'il l'a été. Faudrait trouver un nouveau gimmick pour lui en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on. S'il retrouve son gimmick d'intellectuel, ça va pas le faire, ça Non, c'est non, non, clair. là, il est son gimmick d'intellectuel, ça y est, il est fini, ils pourront plus revenir dessus. Il faudrait trouver, non, vraiment un nouveau gimmick, peut-être même ne pas le voir pendant quelques mois à la limite. Parce que le problème avec lui, c'est qu'il est vraiment très bon dans le ring, mais il a du mal avec son gimmick, ou ses gimmicks, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il faudrait. À partir du moment où ils trouveront quelque chose de bien pour lui, il pourra vraiment faire ses preuves et ça partira tout seul. Bon, Oui, vous c'est avez bon, plus rien c'est à bon. dire, rien à rajouter. Bon, bah on va continuer sur Bray Wyatt. Alors Bray Ah. Wyatt, enfin. Bray Wyatt, ce gars, il a fait des promos plutôt étranges ces dernières semaines. Sans vraiment dire à qui ces promos étaient adressés, de qui il parlait. Et à qui il parlait, c'était assez sombre. Souvent, il parlait de tout ce qui était mort, de peur. Bah, ces promos habituels, mais là, c'était vraiment accentué. Et on sent vraiment ils ont quelque chose en tête. Donc, à quoi vous pensez, vous, personnellement, Alex? Ben, comme on en avait déjà parlé nous-mêmes, Taker. Taker Voilà. pour WrestleMania. Et je vois que ça, moi, personnellement. C'est clair et net, hein, franchement. Et les promos qu'il a eues, vous en avez pensé quoi? Promos qu'il a fait. Elles sont clairement ciblées, hein. Elles visent quelqu'un en particulier. Et il y a tous les indices et tous les éléments qui prêtent à croire qu'il parle de l'Undertaker dans ses promos. Pour moi, c'est une certitude à 95%. D'accord. Et donc, pour ces promos, vous, il y a. C'est quoi vraiment qui vous a fait tilter sur le Taker? Réellement. Ça, vas-y, Alex, Ben, si tu veux. ce que tu m'avais dit avant qu'on commence la vidéo, je me souviens plus exactement de la phrase, tu vas la dire juste après. C'est ce que tu m'as dit là, le message, je sais plus. Vas-y, dis-le, je sais pas si tu te souviens. Il parlait donc de. Il parlait de la mort et il disait que seulement lui. Et moi et lui, donc la personne de Bray Wyatt et la personne qui il s'adressait, il disait seulement toi et moi, nous n'avons pas peur de la mort et seulement toi et moi pouvons la contrôler. Ah, voilà. Voilà, donc on sait que Bray Wyatt a l'habitude de faire des promos un petit peu dark comme ça, mais il parle rarement de la mort. Et évidemment, quand on parle de la mort, on pense tout de suite à un seul homme, c'est l'Undertaker. Voilà, c'est le symbole. D'accord. Bon, après ça. Ouais. Vas-y. Vas-y, vas-y. Il y a aussi dans le dernier SmackDown, on a parlé juste avant de faire l'émission, dans le dernier SmackDown, il y a encore eu une promo qui était clairement ciblée. Il avait un marteau, il y a un clou dans la main, il était en C'était train de un héros. sceller un cercueil. Oui, C'est c'était où? Arrow, pardon, Arrow. Voilà, Oui. Bray Wyatt qui est en train de sceller un cercueil, on se doute qu'il va pas rentrer en rivalité avec Zack Ryder, quoi. Les Zagreiders, c'est le mec, ça, en fait. Ah, sérieusement. Ah oui, dès qu'on veut faire une phrase un petit peu humoristique, on emploie Zack Ryder. Ou le bunny. Voilà, pour montrer la crédibilité de la rivalité. C'est sûr qu'on verra jamais Zack Ryder ou le bunny dans un main event. Oui. D'ailleurs, passons au main event. On a pu voir donc un main event Daniel Bryan contre Big Show, qui a. C'est déjà fini. Bray Wyatt. On en reparlera après. Bah voilà, Ah oui, c'est vrai, c'est le débat. Oui, il peut faut le vous donner l'idée préciser. du débat. On fera donc un débat sur un possible match, sûrement d'ailleurs le match Wyatt Undertaker à WrestleMania. Est-ce que ça vous plairait et qu'est-ce que vous en pensiez? Donc, en attendant le débat, on va passer au main event de Raw qui donc a vu Daniel Bryan affronter le Big Show, pendant lequel on voyait Roman Reigns essayer de distraire Bryan en jetant des t-shirts dans le public. Parce que plus tôt dans la soirée, pendant le match de Reigns, Bryan faisait les Yes Chants pour essayer aussi de Déstabiliser. déstabiliser voilà, Roman Reigns. Merci. Et après donc ce match, que
Big Show a gagné par disqualification car Roman Reigns est intervenu. On a pu voir Bryan et Reigns se frapper, s'attaquer mutuellement. Et le Raw a fini là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette attitude un peu plus sévère de Daniel Bryan et de Roman Reigns qui est vraiment passé outre l'avis des fans pour tabasser le babyface en la personne de Daniel Bryan. Vas-y Axel. Voilà, donc comme tu l'as dit, on a le babyface qui est Daniel Bryan. En face, on a Roman Reigns qui était, hein, c'est un avis personnel, il n'y a rien d'officiel encore, mais je pense que c'est en train de se dessiner petit à petit. On est clairement en train de... Enfin non, justement, on n'est pas clairement. Je suppose qu'on est en train de voir un Roman Reigns qui est en train de se transformer, qui est en train de transformer son attitude. Il passe doucement de face à heel. Il est intervenu durant le match de Daniel Bryan. Voilà, donc pour moi, il est dans la période de changement d'attitude là. On va voir à Fastlane ce qui va se passer, mais Fastlane pourrait clairement être le changement d'attitude de Reigns qui deviendrait 100% heel. C'est rare d'avoir deux faces qui s'affrontent dans un match, et voilà, moi je le vois pas. Reigns, je le vois tourner heel. Première raison, on sait que contrairement à ce que la WWE pensait, les fans sont pas à 100% derrière Reigns, bien qu'il ait des fans, il n'en a pas autant que la WWE le pensait. Donc, elle va être obligée de réagir à ça, et un changement d'attitude pourrait être une solution, bien que l'ajout de Bryan dans le main event en serait une autre. Donc, on verra justement à Fastlane quelle solution la WWE va prendre. Mais c'est vrai que l'attitude de Reigns, c'est un petit peu compliqué, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, personnellement, pour moi, il a déjà tourné Heel. Mais le truc, c'est que c'est compliqué parce que pour moi, il est Heel. Mais quand on écoute le public, en fait, c'est vraiment mitigé entre Bryan et Reigns. Je vous conseille de regarder le dernier Raw. Il n'y a pas de... Quand Reigns, par exemple, tape Daniel Bryan, il n'y a pas de huée, en fait. Spécial, je sais pas, en fait. C'est vraiment compliqué, mais pour moi, ouais. Pour moi, ça va se décider à Fastlane, qui, comme a dit Axel, pour bien montrer qu'il sera heel. Et justement, si la WWE veut officiellement le faire tourner heel, je pense que la meilleure solution pour le faire, ça serait qu'il batte Daniel Bryan à Fastlane, ce qu'il fera certainement, je pense. De toute façon, c'est obligé qu'il gagne Bryan, parce que si on le fait tourner heel et qu'il gagne pas, ça serait vraiment débile. Je sais pas si ce serait suffisant pour faire heel turn à Reigns. C'est vrai, juste le pas gagner contre Bryan. Il peut y avoir un autre booking dans le match qui pourrait, voilà, une action de Reigns, je sais pas. Enfin, c'est vrai parce que ouais, Arrow, c'était pas vraiment une attitude de heel, putain. c'était pas vraiment une attitude de heel, puisqu'il il allait signer des autographes, prendre des photos et tout. C'est pas trop heel quand même, ça. Ouais, mais ça, c'est aussi le caractère hors ring, quoi. Après, c'est vraiment son caractère devant les caméras. Devant les caméras et dans le ring. Il faut vraiment qu'il change ça s'il veut vraiment faire un heel turn. C'est compliqué, ouais, hein. Compliqué. Et c'est vrai que j'ai vu quand même à Raw, on pouvait voir que Reigns était assez apprécié de tout. C'était étonnant, mais, ouais, mais... Malgré sa victoire au Royal Rumble, Reigns n'est pas vraiment détesté. Il n'est pas tant hué que ça, à part le Raw après Royal Rumble. Après, là, il avait quand même... faut pas forcément se fier à la foule non plus, hein, parce qu'il peut très bien être en période de heel turn. Et la foule ne réagit pas à ça, justement. Les bookers peuvent très bien être en train de lui mettre en place des actions qui sont faites pour le faire tourner heel, et qu'au final, ça ne fonctionne pas. Donc la réaction de la foule ne veut pas forcément dire grand-chose. Ouais, mais je sais pas. Même Reigns, je pense qu'il aura du mal à tourner heel. Ça pourrait être un bon heel, je pense, mais... Non, mais regarde, Bryan aussi, on avait du mal à le voir. Il a... Enfin bon, il n'a pas duré longtemps non plus, quand même.
Mais il avait quand même tourné. Ouais, moi je crois que je préférais Roman Reigns sans heel. Hein. Oui. Parce que bon, là, vous voyez John Cena, là, déjà, on aimerait bien le voir un petit peu heel. Hein. Mais le problème, c'est que si il turn Reigns, je pense que ça casserait leur plan pour avoir un Reigns au top de la WWE. On peut pas avoir un visage de la WWE qui est heel. Regardez avec Cena, ils vont jamais lui faire un heel turn parce que c'est le visage de la WWE, c'est lui qui vend tous les marchandises, tous les goodies. Et ils veulent faire la même chose avec Roman Reigns. Et ils peuvent pas faire un heel turn à Reigns. Mais bon, pour l'instant, Reigns, il a rien prouvé encore hein, en tant que visage de la compagnie. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. S'il fait un heel turn, ça le tuera. Réellement. Ils pourront pas avoir... Faut qu'il le fasse alors. Oh, c'est sûr. Mais ils peuvent pas avoir un Roman Reigns heel qui est au top de la fédération. Ils peuvent pas. Non, mais déjà, ils peuvent pas nous mettre Reigns au top de la fédération. Ils peuvent pas. S'il reste en face, ce sera le cas. Sauf si... Ce que je vais dire est horrible, sauf s'il se blesse. Si par exemple, dans le match Lesnar-Reigns à WrestleMania, parce que c'est clairement ça, le match, le main event, on en reparlera à la preview dimanche soir. Mais je sais pas, il pourrait se blesser avant WrestleMania. Je dis pas que j'ai envie, enfin, même si je le pense, mais Reigns en visage WWE, je pense que pas beaucoup de monde a envie de le voir. Et le seul moyen de... On peut pas le faire comprendre aux officiels et il faudrait donc que ça se fasse par une autre façon. C'est horrible ce que je dis, mais faut être franc, personne veut voir Reigns au top. Si, il a des fans, hein. D'ailleurs on les respecte, les fans, on respecte leur avis. Mais après, il faut se mettre dans la tête que John Cena, c'est pareil, il a des fans, mais il y a aussi énormément de personnes qui en ont marre de le voir toujours gagner ses matchs, marre de le voir jamais perdre clean. Et ben, faut se dire aussi que Reigns en face, si il devient l'image de la compagnie, eh bien, on aura exactement la même situation. Et donc, au bout d'un moment, malgré que vous soyez actuellement fan de Reigns, au bout d'un moment, vous aurez certainement un ras-le-bol. Et voilà, vous en rendez peut-être pas compte actuellement en tant que fan. Mais c'est sûr, hein. C'est sûr que s'il devient un jour visage de la fédération, ça sera le John Cena 2.0. Voilà. Après, on ne sait pas, ça se trouve, dans le futur, je pense qu'ils vont... Voilà, si dans le futur, ils mettent vraiment en visage la WWE, il y a peut-être une chance pour qu'il s'améliore, pour qu'il commence vraiment à avoir des fans. C'est ça le truc, on peut pas savoir à l'avance. Ouais, et John Cena depuis 15 ans qu'il est là, ouais. Tu m'expliques ? Non, moi, je vois pas de changement de ses débuts à maintenant. Hein. À ses débuts, beaucoup de monde l'aimait. Et c'est après où ça commençait à se dégrader, sauf que WWE n'avait plus personne pour vraiment le mettre en avant. Du moins, ils faisaient confiance à personne. Là, Reigns, ils ont confiance en lui parce que c'est un catcheur de la troisième génération. Sa famille est légendaire dans le catch, ils lui font confiance, il a envie de percer dans le business, il a vraiment beaucoup de gens le disent, mais il a vraiment beaucoup de moi je comprends pas d'espoir. Comment tu peux dire je vais mettre au top en tant que visage de la compagnie un catcheur, voilà, certes il a une grande famille, voilà, un catcheur de la troisième génération, mais quand tu regardes son in-ring, il y a tellement de catcheurs supérieurs à lui. Et je pense que pour donner une bonne image de elle, la fédération doit quand même mettre au top la superstar qui a quand même le meilleur in-ring. C'est vrai que c'est pas très bon pour l'image de la fédération. Mais à côté, je vais reprendre les paroles de Triple H et de Stone Cold Steve Austin pendant son podcast. Stone Cold, il disait qu'au début, quand on donne le grand push final à une superstar, il est jamais prêt. On répète depuis des mois que Reigns n'est pas prêt. C'est sûrement vrai, mais dans le futur, ça se trouve, il nous prouvera que c'est faux, qu'il est prêt et qu'il peut faire quelque chose de bien. Bon, après, ça reste une supposition. Hein, franchement, s'il s'est fait huer après sa victoire du Royal Rumble 2015, c'est quand même que les fans n'ont pas grand confiance en lui en tant qu'image de la compagnie. S'il commence à se faire huer en remportant le Royal Rumble match...
John Cena, quand il a remporté son Royal Rumble match en 2008, il s'est pas fait huer comme ça. En même temps, c'est un retour surprise. Beaucoup de monde aime les surprises et c'était vraiment quelque chose de pas beaucoup de monde. C'est bon, Reigns, c'était quand même un favori de la foule au Royal Rumble 2015. Il 2014. 2015, il s'est fait huer pendant tout le match. Pendant le match, oui, je suis d'accord, mais il avait des fans quand même. Reigns, il a des fans, il avait beaucoup de fans. Je dirais qu'à partir de décembre 2014, c'était fini pour lui. Tout le monde savait que si Bryan ne revenait pas, c'était le futur visage et que pas beaucoup de monde le voulait. C'est le retour de Bryan qui lui a coûté les fans, je pense. Ouais, c'est vraiment ça qu'il a achevé au final. Et donc, justement, moi, je pense que s'ils veulent donner à une superstar l'image de la compagnie, pourquoi pas la donner à Bryan ? Parce que Bryan, c'est malgré que j'en sois pas fan, c'est vraiment le top du top en tant que image de la compagnie. Ils ont plus confiance en lui, c'est ça le problème. Il s'est blessé et ils ont plus confiance en lui. C'est comme Ziggler, voilà. Ils ont perdu confiance en lui après sa blessure. Mais bon, Reigns, en même temps, s'il sort que 5 prises par match, il risque pas de se blesser beaucoup. Hein. Ouais, c'est comme Cena, quoi. L'éternel discours. Oui, après, on se demande pourquoi les catcheurs comme John Cena, Roman Reigns, se sont rarement blessés durant leur carrière. Ah, souvent, déjà John Reigns, Cena, c'est John Cena, il... John Cena, ses blessures, c'était quand même du sérieux. Quoi. Ah, c'était Cena, c'est il s'est blessé, pété même. Une fois. Non, mais oui, je suis d'accord, mais il s'est quand même pas blessé beaucoup de fois. Hein. Si, assez quand même. Il s'est blessé assez souvent. Il s'est pété le cou, il s'est démoli le genou, il s'est fait. Le genou, le bras, l'œil. Genou. Le genou, c'était Royal Rumble 2000. Putain, j'ai pas dire la connerie, c'était pas 2004, un truc d'un genre. Ah oui, 6. D'accord, oui. Quand il s'est fait éliminer par Batista. Non, par Big Show. Et. Sinon, le coup de l'année dernière. Non, il y a 2 ans, putain, ça passe vite. Son œil. Il y a eu quoi encore son œil. Il a eu un truc au dos, il me semble. Non. Mais non, c'était la vertèbre, pas Batista. Ouais, le cou. Oui, il s'est fait couper dans le dos, mais bon, ça, c'était pas une blessure. Ouais, voilà. Il est quoi encore ? Après, c'est pas des longues absences, quoi. À part le Royal Rumble 2008, quand il était revenu, là, il avait été absent plusieurs mois. Sinon. Pourquoi il y a un truc que je retire pas à Cena, c'est que malgré ses blessures, on lui dit, voilà. Je dis des conneries, mais voilà, tu restes un an en convalescence. Le mec, il va revenir au bout de 6 mois. Après, je salue sa faculté à toujours revenir au top. Bon, c'est pas pour les... C'est vrai, ça aussi, on peut le reconnaître, John Cena. Oui. On peut ne pas l'aimer, mais on doit quand même le respecter pour tout ce qu'il fait pour la fédération, parce que c'est vrai qu'il fait énormément de choses. Il a un emploi du temps très chargé, parce que malgré les matchs de catch qu'il fait chaque semaine... Il fait aussi beaucoup de choses en lien avec la fédération, que ce soit interview, tout ça. Il suffit d'avoir vu son DVD pour le voir. Malgré que je ne l'aime pas, j'ai vu son DVD, oui. Par curiosité, j'ai été regarder. Et d'ailleurs, je le conseille hein, parce que voilà, ça m'a permis de vivre la carrière de John Cena, voir comment ça se déroule. Et on peut effectivement le respecter pour tout ce qu'il fait. Mais cependant, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule superstar, justement, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas la seule superstar à dédier toute sa vie à la fédération. Il y a d'autres superstars comme CM Punk qui dédient autant leur vie à la fédération, mais ce n'était pas aussi bien reconnu par la WWE que John Cena. Donc voilà. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas non plus que John Cena qui s'investit autant dans la fédération. Et c'est ce que les fans croient, c'est ça qui est malheureux. Ouais, bah, quelque chose à rajouter, par exemple, Alex ? Non, c'est bon, je te dis. Bah, on a quand même réussi à finir sur Cena alors qu'on parlait de Reigns. Comme quoi. Bah oui, mais il y a un lien quand même. Ouais, un gros lien, même. Malheureusement. Encore une fois, hein, c'est absolument pas contre les fans de Reigns, on respecte tous les fans de Reigns. On donne juste notre point de vue à nous, voilà. Voilà, je le précise parce que à chaque fois qu'on critique en général, il y a des gens qui le prennent mal. Ouais. Mais donc vous êtes d'accord pour voir un heel turn de Reigns sinon ? Moi je suis pour. Moi aussi, je suis pour. Ouais.
D'accord. Et donc. Et toi? Moi, oui, parce que ça l'achèverait dans. Il resterait dans le main event, mais ça l'achèverait en tant que visage de la WWE. Par contre, on continuerait avec Cena et ça, c'est pas terrible. Ah, mais John Cena, là, c'est une question de temps, je pense. Hein. On a souffert la plus grosse partie de sa carrière, je crois. Ouais. Sans vouloir être méchant. Là, il est déjà dans le mid-card. Il va partir comme ça, avec la chance. En espérant qu'il parte pas à le même âge que Ric Flair, parce que bon, voilà. Oui, là, on est mal. Et là. Là, on est mal. Bon, on va continuer sur un autre show. Le Big Show ? Ah non. Ah, pour ouais. Celle-là, on devrait te virer de la conversation. Oh la vache, elle était puissante. T'as vu? Donc on va continuer sur... apparemment beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé. On va faire une petite review rapide de... On va reparler du moins de NXT TakeOver Rival. Qui s'est passé mercredi dernier. Dans lequel on a pu voir des matchs comme Hideo Itami contre Tyler Breeze. Un match féminin Fatal 4-Way qui a vu une nouvelle championne féminine couronnée. Le main event Sami Zayn contre Kevin Owens en voyant Kevin Owens remporter le titre après son deuxième match à NXT. Voilà, on en parlera après. Et bon, Sylvester ouais. Lefort contre John Cena. Voilà. Lol. Et aussi Finn Balor contre Adrien Neville. Putain, j'ai oublié celui-ci, comment j'ai fait. Ouais. Bon, vous avez pensé quoi de ce show, sinon Alex? Oui. Oui, non, je regardais si j'avais pas le micro coupé. Ouais, je trouvais le show assez bon, avec un très bon opener. Hideo Itami contre Tyler Breeze. Vraiment un très beau match. Bon, après le match... attendez, je me souviens plus des matchs. Je sais qu'il y avait Baron Corbin contre Bull Dempsey. Ouais. Bon, avec un magnifique punch. Par contre, ce truc, ce match là, c'était pas. Je connais même pas les deux catcheurs, moi. Ben bon, en fait, il a duré 5 minutes ou 4 minutes. Baron Corbin s'est fait taper. Et au moment où il sort la chaise à la fin du match, en fait, c'est juste pour s'asseoir dessus. Ouais, sérieusement, respecte. Non, mais il a voulu aller en chercher une pendant le match, mais bon, il y avait rien sous le ring. Alors. En plus, c'est pas de sa faute. C'était un match no disqualification en plus. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Ah, voilà. Le match... Et c'est un match sans disqualification et les mecs ils sont juste un peu battus à l'extérieur. Une souplesse arrière sur la rampe et puis on retourne dans le ring, on finit le match. En fait, c'est facile, le match a duré 4 minutes 13. Pendant 4 minutes, Bull Dempsey a détruit Baron Corbin et à la fin, Baron Corbin fait sa finisher et gagne. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Et 13 secondes qui restent. C'est... Autant je salue la prouesse physique de Byron Corbin pour avoir soulevé Bull Dempsey qui pèse son poids quand même pour le End of Days qui est une prise assez impressionnante surtout pour un gabarit comme Bull Dempsey et franchement je salue sa prouesse physique là sur ce coup là mais le match autrement tu veux lui envoyer une lettre ou ça se passe comment lol mais le match en lui-même, sinon, était assez décevant. Sinon, il y a eu quoi? Il y a eu... Le tag team. Voilà, le tag team, attends. Lucha Mania, quoi. Lucha Dragons contre Buddy Murphy et Wesley Blake. 7 minutes, quelque chose, je crois. 7 minutes 35. Ouais, et pour les titres par équipe, donc Buddy Murphy, Wesley Blake, ils ont gardé les titres. C'était quoi, cette blague? Sérieusement? Non mais c'était une honte. Ok, je veux bien comprendre que des catchers puissent botcher parfois. Et là pendant tout le match quoi, Cynthia, même Kalisto a botché deux fois. Non, faut pas abuser. Sinon la fin Murphy et Blake ont été étonnamment très bons pendant le match. Vous en avez pensé quoi vous? Ouais, ils ont fait de bonnes prises à deux, franchement très bon tag team. Rien à dire. Axel?
On t'entend pas trop depuis le début. Moi, je me prononce pas trop parce que j'ai vu le show, hein, mais je connais pas les rivalités. Donc, à part juger la qualité du show, je peux pas juger les superstars parce que je connais pas leur niveau. Donc, Et si je te parle de Finn Balor contre Adrian Neville, là, tu donnes un avis ou pas? oui, là j'ai clairement aimé le match. Voilà, je connaissais Adrian Neville pour Finn Balor. J'ai déjà vu son match lors du pay-per-view précédent. Et voilà, bah son entrée, c'est toujours pareil, hein. Ça fait du bien de voir ça, c'est très joli. Maquillage très très bien fait. Et la qualité du match, bah, exceptionnelle, hein. Rien à dire. Après, vous avez donné votre avis global sur le pay-per-view, moi je ne l'ai pas donné. Globalement, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view, mais pas un très bon pay-per-view, c'était le moins bon de tous ceux qui ont eu lieu pour l'instant, je pense. C'était pas exceptionnel. Des Malgré que. 5 des 5 qu'il y a eu, ça a été le moins bon, franchement. Ouais. Malgré les 3 énormes matchs qui ont été Balor Neville, le Fatal 4-Way des filles et le main event Owens contre Zayn. T'as bien aimé le main event, toi? On va y revenir plus tard, mais le pay-per-view était quand même assez décevant. Bon, là on Ah, va parler décevant, de carrément. par rapport aux autres. C'est sûr que par Ah rapport oui. à un show de catch comme Raw ou SmackDown, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, mais voilà. Après, pour le championnat féminin d'NXT, là, vous en avez pensé quoi de ce match? Ça change de la WWE. Qu'on aura ça dans le main roster. Waouh. Ouais, déjà, un Fatal 4-Way dans le main roster, c'est tellement rare. Le dernier, c'était pas en 2009 ou 2010, un truc dans le genre. Bah c'est ta fatale faux, oui. Ouais, donc c'était 2010. Non, il y a dû y en avoir là un depuis, je pense. Je suis pas sûr. En tout cas, il y en a eu un fatal faux, oui, en 2010, ça c'est sûr. Mais après. Voilà, c'est. Puis le match, quoi, il était énorme. Les prises qu'elles ont sorties pendant le match étaient vraiment cool. On a pu voir, pour ceux qui suivent la NXT, on a pu voir une Bayley qui était un peu plus motivée et un peu plus sérieuse. D'ailleurs, sa Bayley to Bayley, depuis la seconde corde, la troisième corde même. Magnifique. Sasha Banks, nouvelle championne. Très, très bon match. Et franchement, bravo à la nouvelle championne. Et bravo à NXT qui arrive à booker des matchs féminins qui nous font pas dormir et qui durent pas 4 minutes. D'ailleurs, il a duré plus de 10 minutes, je crois, le match. C'est même 11 minutes sûr. 53. Alors, maître Alex, maître des statistiques. 11 minutes 53. Et Wow. voilà, c'est. On voit pas des matchs de 11 minutes 53 Ben, dans le main c'est. roster, surtout pour les filles, quoi. Alex, il a le chrono à chaque match. Hein. À chaque pay-per-view, c'est le maître des Ah statistiques. ouais. Merci qui? Merci Wiki. Merci C'est Wiki. lui qui remplit les pages Wikipédia. Hein, donc, il a un travail très acharné. Je peux vous dire même que c'est le troisième match le plus long du pay-per-view. Ouais. Ah, il a tout comparé et tout. Maître des mathématiques. Et donc voilà, c'était un bon match. Et puis le main event, quoi, pour le titre NXT, Zayn contre Owens. Voilà quoi dire de plus. Je tiens à dire que Guillaume est à deux Ah, doigts de pleurer oui. sur Skype. Putain, tellement Parle-nous. deg. Faut savoir que je suis un grand, grand fan de Sami Zayn. Et pour moi, c'était Zayn qui a gagné. C'était sûr et Ah non, moi je certain. suis pas d'accord. Pour moi, c'était sûr et certain. Owens venait d'arriver, Zayn venait de gagner le titre il y a Justement. 2 mois avant. Il n'y avait aucune chance pour que Zayn perde le titre. Mais autant je suis ultra déçu pour Zayn, je suis ultra content pour Owens. Mais Ouais. je salue le talent de Triple H qui arrivera toujours à nous étonner, quoi. Beaucoup, beaucoup pensaient, je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui pensaient que Zayn allait garder le titre parce que pour les mêmes raisons, quoi. Zayn venait de le gagner. Même toi. C'est toi, Axel, qui m'avais dit ça. T'avais sorti la même raison, il me semble. Ah non, parce que moi Que. j'étais persuadé que Owen allait gagner. D'accord, donc je sais plus c'était qui, mais. Moi je t'avais donné justement comme raison que justement Owens venait d'arriver et il venait d'arriver en tant que destructeur, il était vraiment. Pour moi, il n'y a aucun mérite à Owens. Et je sais Il y a. qu'il a combattu pendant plus de 10 ans, 14 ans même. C'est le booking du match, hein, c'est.
Ouais, Ce sera son gimmick, voilà. il y a il y a pas de Putain, on va me cracher dessus dans les commentaires, je sens, mais il y a pas de mérite pour Owens. Le mec est arrivé il y a 2 mois, il a fait un match, il a dit tiens le champion c'est un pote, je vais le tabasser et je vais demander un match pour le titre, et voilà, il l'a eu, il a gagné le titre par décision de l'arbitre. C'est chouchou de Triple H, hein. Triple H a voilà, pissé dessus et voilà. Après, on peut pas juger vraiment son talent parce qu'on n'a pas vraiment vu un match à NXT. Non, par contre, le talent Owens, franchement, il est très bon in-ring. Ah ouais. In-ring, même ses promos sont assez bonnes. Il a un bon charisme. Il n'y a rien à redire. Le mec est très très bon. Il fera un bon champion, je pense. Mais pour moi, il n'a pas assez mérité. Il a mérité sa place à NXT pendant toutes ces années dans les indies et à catcher dans les fédérations indépendantes. Il a gagné sa place à NXT, mais il n'a pas gagné sa chance pour le titre et encore moins de gagner le titre. Après, comme tu l'as dit, c'est le chouchou de Triple H. Rien que ça, ça justifie tout. Mais j'étais deg pour Zayn, même si j'étais très content pour Owens. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé comment ils ont booké le match. C'était surprenant. Ah oui. Et voilà, on peut pas dire que c'est un match qui est passionnant à regarder, hein, parce que bon, c'est la démolition du début de A à Z. Mais voilà, c'est surprenant. Et quand c'est surprenant, bah moi en tout cas, ça me plaît. J'aime bien être surpris. Ils nous ont sorti des prises énormes quand même. Oui, aussi, oui. Après, la fin avec Zayn qui pouvait plus combattre. Le KO, ouais. Victoire par KO, c'est très rare, hein. Ouais, putain, surtout victoire par KO et que le mec gagne le titre. Ça, je crois que j'ai jamais vu encore. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu. D'ailleurs, les fans s'y attendaient pas parce que même dans l'arène, quand l'arbitre a sonné la cloche, tout le monde a commencé à chanter bullshit en disant voilà, c'est. Eux aussi, ils pensaient que Owens avait gagné, mais il n'avait pas gagné le titre. Puis au final, l'arbitre qui arrive, qui donne le titre à Owens. Je sais pas. Puis même, je trouve que c'est pas une victoire propre pour Owens. C'est une victoire propre pour son gimmick parce que c'est un démolisseur, d'accord. Mais je trouve pas que c'est une victoire très très propre, quoi. Il a pas fait le tombé final. C'est. Je sais pas. J'ai un problème avec ce match. Oui. À propos, je suis en train de vérifier un truc. Parce que je voudrais pas dire des conneries. Sur. Les victoires par KO, que t'as jamais vu une victoire par KO pour un titre. Mais de mémoire, j'en ai pas vu. Ah, justement, moi j'en ai un dans la tête, je suis en train de vérifier. Dis. Je vérifie avant. Non, dis. Bref, Alex, toi, t'en as pensé quoi de ce match? Pareil, hein, franchement, moi j'étais comme toi, je pensais pas qu'il allait gagner. Oh putain. Ouais. T'as coupé ton micro? Oui, tout à fait. Mais en fait, je le coupe pour pas faire du bruit, mais après, je l'oublie, c'est chiant. Oui, j'étais en train de dire, vous avez pas entendu d'ailleurs. Non. Mais j'étais, ouais, comme toi, Guillaume, je pensais vraiment pas qu'il allait gagner. Mais au bout de 10-15 minutes de match, que je voyais se faire démolir, je te l'ai dit en conversation, je t'ai dit, ça part vraiment mal pour Zayn et. À partir du 3/4 du match, j'ai fait ah, c'est mort, il va gagner. Et bon, ben ça s'est passé. Écoute, d'un côté, c'est pas bien pour Zayn, et de l'autre côté, c'est très bien pour Owens. Donc, je peux pas trop dire si c'est bien ou pas, quoi. Ouais. Mais petit spoil d'ailleurs, Zayn n'apparaîtra pas pendant NXT pendant plusieurs semaines. Au moins 4, car il était absent pendant. C'est du kayfabe, hein, on est d'accord? Oui. Largement. Et. Donc, il sera absent. Et il reviendra sûrement pour les prochains enregistrements. Je sais pas quand est-ce que c'est. Il y a un peu de temps encore. Je crois que c'est dans 2 semaines, 3. Et donc, voilà. C'est. À mon avis, Zayn n'est pas prêt d'avoir un match revanche pour le titre. Et je sais pas comment ils vont booker ça parce qu'il y a aussi Finn Balor qui donc a gagné le match pour challenger numéro 1 au titre.
match que j'attends tellement, Owens contre Balor. Putain, si, il risque de promettre quoi. Je sais pas si vous pensez la même chose. Vous. Ouais. Si. Axel, Alex. Si, beaucoup. On a perdu Axel. Si, je suis là, si, je suis d'accord. Bon, t'as trouvé du coup Axel ou pas? Non, mais je ne dirai rien parce que je me suis trompé en fait. Tu pensais que c'était quoi? Je pensais au Great Khali. Je pensais que le Great Khali avait gagné le World Heavyweight Championship par KO sur Batista, mais non en fait. C'était dans une bataille royale en 2007. D'accord. Je pensais que justement Batista n'avait pas abandonné quand il faisait sa son écrasement de cerveau là, mais en fait non. Ouais. Il me semble que ça a eu lieu ça, mais ça devait être dans un SmackDown où c'était pas pour le titre. Par contre, Rey Mysterio. Oui. Ouais, peut-être aussi, mais il y avait Batista, je crois. Batista n'avait pas voulu abandonner. Ah, mais Great Khali, champion poids lourd. Si, c'est Rey Mysterio. On change complètement de sujet, mais. Bref. Oui, il y a eu Rey Mysterio, mais je crois qu'il y a eu aussi Batista. C'était dans la période Unforgiven 2007 quand ils étaient tous les trois en rivalité. Monsieur Histoire. Oh, j'ai adoré l'année 2007, donc je peux tout vous réciter par cœur. Enfin, j'ai pas adoré la période Great Khali. Hein, mais... Très peu, je pense. Bon, je pense qu'on peut passer clôturer, au débat. Ouais. Clôturer ce passage à NXT pour passer au débat. Vous vouliez qu'on en parle, vous nous l'aviez dit dans les commentaires, donc voilà. Quitte à être de retour, autant faire les choses bien et parler de ce que vous voulez. Voilà, et donc donnez-nous votre avis aussi, que ce soit sur Raw ou sur NXT. Donnez-nous votre avis. Et sur le débat d'ailleurs qu'on va aborder dans quelques instants. Le débat qui est un match Wyatt-Undertaker, vous plairait-il? Alors. WrestleMania 31, bien sûr. Oui, WrestleMania 31. Vas-y, commence, Alex. Oui, je regardais ça pour le micro. J'espère que ça va me prendre. Ouais, franchement, ça me donne envie, ouais. Mais, clairement, comme on l'a dit avant, au début de la vidéo. Ben, les messages sont clairement pour l'Undertaker. Et c'est vraiment deux styles de personnalités qui font vraiment un très très beau match. Un très beau match que. Ouais, j'attends beaucoup, vraiment beaucoup ce match. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Justement, et c'est de la curiosité c'est qu'on ça, a. C'est de la curiosité en fait. Parce que d'un côté, on a. Et la rivalité, qu'est-ce que t'en penses? Comment va se faire l'apparition du Taker et tout? Ben, comme l'année dernière, après Fastlane peut-être. Comme on l'avait fait avec Lesnar. Ouais, je vois que comme ça. D'accord, très bien. Et toi, Axel? Moi, j'aime beaucoup. Enfin, si on part dans l'idée que Bray Wyatt parle de l'Undertaker dans ses promos, j'aime beaucoup comment cela est fait. Le fait de laisser des promos mystérieuses comme ça. En gros, on nous laisse penser qu'il parle de lui, mais sans certitude, voilà. C'est bien fait. Bray Wyatt est très talentueux pour ce genre de promo. Il le fait très très bien. Voilà, donc ça, on peut pas lui enlever ça, Bray Wyatt. Pour l'Undertaker, son retour, comme tu l'as dit, Alex, je pense également que ça va se faire au lendemain de Fastlane, Raw, voilà. Il pouvait pas le faire revenir avant Fastlane parce que ça aurait été une période beaucoup trop longue, sachant que l'Undertaker ne peut catcher qu'à WrestleMania. Le faire revenir avant Fastlane, il n'aurait pas pu être en action à Fastlane, il n'y aurait pas eu d'intérêt. La période aurait été trop longue jusqu'à WrestleMania. Donc voilà, je pense que en plus WrestleMania cette année c'est en mars, c'est fin mars, donc il reste pas beaucoup de semaines après Fastlane pour mettre en place la rivalité. Donc je pense que ils vont le faire revenir direct après Fastlane. Voilà, qu'ils aient quand même le temps de mettre en place un truc sympa. Et voilà, comme tu l'as dit, Bray Wyatt, personnage assez dark, comme l'Undertaker, deux styles qui se rapprochent un petit peu. Je suis curieux également de voir le match. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est la performance physique de l'Undertaker. Voilà. Ouais. Après, c'est la part d'ombre de la rivalité quoi. C'est ce que Taker peut vraiment catcher à sa manière. On a vu l'année dernière qu'il était très mal en point, que ce soit pour le début ou pour la fin du match, parce qu'il faut savoir que pendant le match, au bout de 5 minutes je crois, juste après une prise de Brock Lesnar, il a subi une commotion cérébrale, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc ce qui a rendu KO pendant la fin du match,
Et c'est donc Brock Lesnar qui a pris le relais pour bah, pour finir le match et dire qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire et tout. Donc on sait pas, on sait même pas si c'est vraiment remis de toutes ses blessures de ces dernières années, parce qu'à chaque WrestleMania il est toujours mal en point et il y a un moment où ça va peut-être falloir s'arrêter. Il a été vu d'ailleurs par des fans récemment et les fans ont jugé que son état était déplorable. Ouais, c'est chaud quoi, c'est le phénomène et voilà, ça le décrédibilise énormément. Mais à côté, c'est vrai qu'une rivalité entre les deux serait juste énorme. Et j'aime bien la façon dont WWE a commencé à booker ce match. Ouais. Après, le risque à prendre, c'était que Wyatt commence ses promos et qu'au final, on sait pas, mais apparemment, Taker est encore en train de passer les contrôles chez les médecins pour voir s'il peut catcher. Et le risque, ça serait que bah, il puisse pas et que Wyatt ait fait toutes ses promos pour rien. Il faudrait trouver autre chose à ce moment-là. Moi, j'y crois pas trop à ça parce que pourquoi la WWE aurait pris le risque de faire toutes ses promos après Wyatt justement si au final, Undertaker n'était pas apte à combattre. Je pense que justement, ils ont dû s'y prendre relativement tôt pour tester l'Undertaker. Ils ont dû s'y prendre avant de booker ces promos-là de Bray Wyatt. Ouais. Pour moi, il ne faut pas trop se fier à ce genre de rumeurs. Voilà. À mon avis, elle n'a pas fait ça à l'aveugle. Elle n'a pas dit, tiens, Bray Wyatt, tu fais ça. On verra bien, on verra bien dans 2 mois si l'Undertaker sera apte ou pas. Et si jamais il n'est pas apte, bah, tant pis, on arrête tout et on repart sur une chose. Non, ça serait vraiment n'importe quoi. Je pense que les tests médicaux doivent être réalisés avant de mettre en place un début de rivalité. Ça ouais, c'est logique. C'est des risques. Puis aussi, j'aimerais vous poser une question, c'est comment faire le retour de l'Undertaker ? Parce que s'il fait un retour, ce sera obligé qu'il parle de Wyatt, mais je ne vois pas faire un retour, par exemple, en promo caméra diffusée sur l'écran géant en disant « Bray Wyatt, tu m'as défié, j'accepte le défi, on se voit à ce mania. » Puis même son... Un retour in-ring sans juste pour parler, ça aurait pas le même effet. Il faudrait un retour qui soit significatif pour cette rivalité, mais sans qu'il ait un mot à prononcer comme il l'a fait l'année dernière. L'année dernière, il n'a pas dit un mot, sauf une fois à main event contre, pour Paul Heyman. Car oui, il est déjà allé à main event de Undertaker. Wow. Et il faudrait qu'il arrive à faire un retour sans dire un mot. Comment vous voyez ça, vous ? Moi, je vois bien Bray Wyatt, justement, qui, après toutes ses promos mystérieuses, fait une promo dans le milieu du ring, cette fois-ci au lendemain de Fastlane. Il fait une promo dans le milieu du ring, où cette fois-ci, il dit clairement à qui il s'en prend depuis des semaines. Voilà, donc il révèle qu'il parlait de l'Undertaker et tout ça. Je sais pas comment il peut révéler ça, mais en tout cas, il va révéler clairement le nom de l'Undertaker. Et justement... C'est un surnom, genre Deadman ou Phenom ou un truc dans le genre. Je sais pas, ça après, c'est vraiment à voir. Ils vont bien trouver un truc, je pense. C'est vrai que l'idée de le retrouver in-ring, ça serait pas mal. J'y avais pas pensé, GG. Voilà, je le vois bien dans le milieu du ring et les lumières s'éteignent, voilà. Et ouais, l'Undertaker est de retour et il s'en prend physiquement à Bray Wyatt, par exemple. C'est énorme. De toute façon, l'Undertaker s'en prend verbalement, c'est très très rare. Hein, donc ce sera certainement physiquement. Mais je pense que, bah, en tout cas, logiquement, ça serait Bray Wyatt qui ferait le premier pas parce que l'Undertaker qui viendrait s'en prendre à Bray Wyatt. Ouais. Il n'y aurait pas de lien parce qu'on n'est pas. Il ne peut pas être sûr que Bray Wyatt s'adresse à lui. D'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faudrait utiliser, peut-être pas directement Undertaker, mais genre un petit Deadman. You think you're the Deadman ou un truc dans le genre. Et histoire de bien montrer aux fans que c'est lui, mais sans dire vraiment son nom. Ça serait tellement magnifique. Ah, ça je l'attends. Le lendemain de Fastlane, moi je suis curieux de voir de ce qui va se passer. Et donc, comment vous pourriez voir la fin de rivalité ? Donc le match à WrestleMania 31 ? Voilà. C'est plus compliqué. Hein. Moi franchement, je sais pas. Moi non plus. C'est chaud. Guillaume, t'as l'air sûr. Ouais, vas-y, on t'écoute. Je verrais Bray Wyatt gagner contre l'Undertaker. Malheureusement, parce qu'on... On peut pas laisser Undertaker
enterrer Bray Wyatt, même si ce mot n'est pas du tout utilisé pour faire un jeu de mots. Non, ça serait pas enterré, je suis pas d'accord là. Non, mais on a bien vu Wyatt contre Cena l'année dernière. Cena l'a enterré, on l'a plus vu pendant des mois après. Il a terminé sa rivalité, on l'a plus vu. Il l'a enterré. Bon, après, c'est Cena et Taker. Non, je pense que Taker devrait perdre. L'Undertaker a battu 21 personnes et c'est pas pour ça qu'il a enterré les 21 personnes. Non, mais c'est pas la même chose. Là, il a plus de streak, il a plus rien. Il a plus rien à perdre, mais il a plus rien à gagner non plus. S'il vient là, c'est juste pour mettre en avant Bray Wyatt. Je vois que ça. Il a plus rien à perdre. Donc la streak est perdue. Et il a plus rien à gagner. C'est-à-dire qu'il peut plus rajouter un chiffre à la streak. C'était la seule raison pour laquelle il venait. Non, la streak est brisée. Oui, elle est brisée, mais il peut continuer sa streak de victoire. Hein. Il peut augmenter le chiffre 21. Ça sera pas pareil. Là, il devrait perdre. Ça sera pas pareil, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est... Bon. Je vais dire Brock Lesnar, mais non, Paul Heyman a accentué le côté de la streak est brisée. Brisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus continuer. C'est fini. Et je vois seulement une défaite de Taker. Mais la streak est brisée, c'est normal, vu que c'était une streak d'invincibilité. Donc, vu qu'il a été battu, il n'est plus invincible. Donc, évidemment, elle a été brisée, c'est logique. Mais il peut continuer sa série de victoires, par contre. Je verrais une promo de Wyatt soit au Raw juste avant Mania, soit au Raw juste après en disant Taker, je t'ai brisé, tu n'es plus l'homme que tu étais avant, tu es fini. Vraiment dire ce genre de truc, mais cru quoi. Vraiment montrer que c'est fini, que le Fiend n'existe plus, que le Deadman est purement mort et que c'est fini pour lui. Là, ça serait Moi, je suis pas sûr de ça, justement, parce que je sais pas si la WWE, justement, va laisser ce privilège à Brock Lesnar d'être le seul homme à avoir réussi à battre l'Undertaker à WrestleMania, ou si, au contraire, la WWE va offrir ce privilège à d'autres superstars qui, eux aussi, s'imposeront aussi puissants que Brock Lesnar, aussi crédibles que Brock Lesnar pour le battre. Et je pense pas, moi, justement. Je vois que Brock Lesnar a été très crédible pour sa victoire face à l'Undertaker. Il a une suite de sa victoire pour le titre qui a été également très crédible. Ça a été vraiment une bête. Il était crédible face à cette victoire. Bray Wyatt est un jeune talent. Le rendre aussi crédible que l'a été Brock Lesnar, ça s'annonce difficile pour moi. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas persuadé, justement, qu'ils offrent la victoire à Bray Wyatt. Et toi, Alex ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que d'un côté... Ouais, d'un côté, on peut plus briser la streak, donc on pourrait faire gagner Wyatt pour vraiment le monter au sommet. Et de l'autre, voilà, c'est l'Undertaker, le faire perdre deux fois d'affilée dans un WrestleMania. De l'autre côté, si on le fait pas perdre, ça veut dire qu'il va essayer de revenir les prochaines, mais il va catcher sur un fauteuil roulant. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Je verrais bien aussi un match. J'avais pensé au Raw pendant le segment de Wyatt et du cercueil. Pourquoi pas un match genre Bury Alive ou un match cercueil à WrestleMania. Ouais, j'y pense aussi. Histoire d'enterrer une bonne fois pour tout le Undertaker. Mais oui, pourquoi pas. Mais je vois plus le casquette match que le Bury Alive match. Après, ça serait significatif pour Wyatt. Ouais, c'est vrai que sa promo de Raw là dernièrement avec le cercueil pourrait être un symbole ou un indice quant à un possible casquette match. Ça serait génial. À voir. Ça serait génial. Moi, je suis pas très très fan de ce genre de match. En tout cas, quand on voit le match de l'Undertaker face à Mark Henry à WrestleMania 22, c'était pas génial. Bon, c'était Mark Henry en face, mais. Bon, Mark Henry, petite anecdote au passage, Mark Henry ne semblait pas être au courant que c'était un casquette match ce soir-là, puisqu'il faisait le tomber sur l'Undertaker pendant le match. Oui. Je me rappelle de ce moment, c'était assez drôle. Et il a dû se sentir con sur le moment quand même. Ah, c'est comme Cameron qui fait un tombé sur le ventre, quoi. Et donc, non, je vois qu'une victoire de Bray Wyatt. Je suis un grand fan de Taker. Devait sûrement le savoir, mais Undertaker, une victoire de Taker pour moi ne signifierait plus rien. Je pense pas être le seul. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bray Wyatt est le futur.
Bray Wyatt a la chance d'avoir un caractère comme un gimmick qui peut être qui peut avoir du répondant face au gimmick de l'Undertaker, et ça serait l'homme parfait pour enterrer l'Undertaker et le bah, finir sa carrière. Et moi justement, mon argument, c'est pas la streak de l'Undertaker, c'est la victoire de Lesnar, moi. C'est ça qui me fait penser que... J'avoue, c'est vrai, mais... Que Bray Wyatt ne peut pas se montrer aussi puissant que Brock Lesnar, quoi. Et tu voudrais faire quoi ? Eh bah, offrir une victoire à l'Undertaker, et Brock Lesnar restera le seul homme, la seule bête qui aura réussi à détruire l'Undertaker à WrestleMania. Mais... Justement, et ça montrerait justement que c'est pas l'âge de l'Undertaker qui a offert cette victoire à Brock Lesnar. Ça montrerait que c'est la puissance de Lesnar qui a mis fin à la série de l'Undertaker. Parce que justement, l'Undertaker aura réussi après cette défaite à battre d'autres catcheurs. Donc ça montre que Lesnar est vraiment la seule personne. Et comment tu vas arrêter Taker ? Il peut pas prendre sa retraite sur une victoire, surtout sur Bray Wyatt. Il peut prendre sa retraite justement sur une match à stipulation de ce genre-là, casquette match. Ou... Après, pour le départ, sachant que c'est un personnage assez dark, c'est difficile, il peut pas faire de speech de départ, il peut pas, voilà. C'est. Ou un match. Pour son départ, je vois qu'une défaite. Ou un match de, genre. La reforme de Brother of Destruction, comme ça. Tu veux revoir Kane avec avec ou sans masque, avec Taker? Non, mais ça serait significatif, quoi. Oh, pitié. Non, mais par contre, sérieusement, après sa défaite à WrestleMania 30, même si on voulait revoir l'Undertaker sur un ring, il y en a d'autres qui voulaient pas, d'autres qui voulaient le revoir à WrestleMania 31. On doit admettre que son départ en retraite après WrestleMania 30 aurait été franchement le départ le plus crédible. Il n'y avait pas plus crédible que ça. Je sais pas. Parce que maintenant, le faire partir, ça va être difficile. Hein. Non, moi, franchement, j'ai commencé à en parler. Je vais vous expliquer tout le truc que j'ai pensé. Bray Wyatt, par exemple, dans un match Bury Alive, gagne contre l'Undertaker. Il enterre Taker au sens propre et figuré. Et le lendemain, à Raw, il fait tout simplement une promo en disant « Taker, t'es fini. T'es plus l'homme que tu étais. T'es plus le fin homme, le dead man. » Tu n'es qu'une personne normale. L'Undertaker n'existe plus. Tu es un être humain. Tout ce qui est plus banal. Et tu. Voilà quoi, t'es terminé. Et le laisser partir là-dessus. Et le revoir l'année prochaine pour le Hall of Fame. T'imagines. Ça serait crédible. Ça serait vraiment crédible pour Bray Wyatt et Taker. Oui, mais t'imagines Bray Wyatt qui entrerait dans l'histoire comme l'homme qui envoyait l'Undertaker à la retraite. Ça serait énorme pour lui, mais est-ce que tu penses que la fédération lui donnera cette opportunité ? La WWE, il aime vraiment. Ils aiment bien Wyatt, ils aiment bien son gimmick, son caractère, son in-ring. Pourquoi pas lui laisser cette chance ? Ça serait la meilleure chose à faire. C'est pas toi qui disais que John Cena avait enterré Bray Wyatt et qu'après il avait plus rien fait de l'année ? Si, mais là Bray Wyatt gagnerait contre Taker et il défoncerait tout le monde derrière. Gagner contre Taker, ce serait sûrement la plus grande preuve de son début de carrière, de sa très jeune carrière. Et ce serait vraiment un moyen de le lancer pour le main event. Ça serait, à vous, la victoire, non seulement une victoire sur l'Undertaker serait énorme, mais en plus, l'achever, ce terme est rude, mais littéralement l'envoyer en retraite, ça serait le plus qui ferait de lui une légende. Après, je viens de penser à un truc aussi. Pour le départ en retraite de l'Undertaker, il faudrait que son dernier match soit un match où il mette sa carrière en jeu. Sinon, tout simplement... Ça va pas au personnage, je trouve. Ça va pas au personnage. Bah, il l'a déjà fait, pourtant. Non, il l'a pas fait. Autant pour moi, il l'a pas fait. Il a jamais fait, mais ça va pas au personnage, je trouve. C'est le finum, c'est le deadman. Tu peux pas mettre quelqu'un qui a ce genre de gimmick en disant « Voilà, si j'arrive pas à te battre, ça veut dire que je ne sers plus à rien et qu'autant prendre ma retraite, quoi. Mec, c'est pas Sami Zayn. Tu peux pas faire un match à stipulation le perdant en sa retraite. Bah, il l'a fait pour Shawn Michaels. Ouais, Shawn Michaels et Ric Flair aussi. Ouais. Mais entre le match Michaels-Taker, il y avait streak contre carrière. Là, il y avait vraiment un challenge. Pour les deux, ouais.
Tandis que là, je vois pas ce que ça apporterait à l'un ou à l'autre. Taker qui met sa carrière en jeu et Wyatt, il met quoi? Sa crédibilité. Voilà quoi. Non, mais après, ça sera pas forcément Wyatt. Après, on peut peut-être repousser WrestleMania à 32. On sait pas comment l'Undertaker sera l'année prochaine. En tout cas, il a l'air d'avoir envie de continuer. On dirait qu'il. Il a envie, mais il peut plus. Déjà, l'année dernière. Ouais. Il peut plus. Ouais, déjà, pour moi. Je crains beaucoup son état physique pour cette année. Malgré que j'ai envie de voir ce match face à Wyatt, malheureusement pour nous, je pense qu'il aurait fallu que ce match ait lieu quelques années plus tôt. Ça aurait été mieux. Je pense vraiment que Bray Wyatt pourrait battre Taker parce que Vince McMahon est un grand ami de l'Undertaker, Mark Calloway. Je viens de briser le kayfabe, waouh. C'est un grand ami de l'Undertaker. Dans la vraie vie, et je pense qu'il se fait vraiment du souci pour l'Undertaker dans sa vie privée, sa vie hors ring, hors écran, et je pense qu'il pourrait offrir une retraite à Taker. Et pourquoi pas, tant que le match est là, autant offrir cette chance à Bray Wyatt. Ça se discute, hein. Moi je suis pas de cet avis, pour moi. Je vois pas l'Undertaker une fois de plus perdre. Ça a déjà choqué le monde, voilà. Je le vois pas gagner, encore moins contre Bray Wyatt, mais je le vois pas gagner un autre match. Moi, je vois pas Bray Wyatt arriver au même stade que Brock Lesnar. Voilà, je vois pas Bray Wyatt à côté de Brock Lesnar. Et toi, Alex, tu vas nous départager, du coup. Qu'est-ce que tu penses? Ben, j'ai déjà dit, moi. Qui gagnerait que... Donc concrètement, tu te rapproches plus de mon avis ou de celui de Guillaume? Putain, vous faites chier là. Franchement, si je devais vraiment dire un truc, mais franchement, moi je dirais. Franchement, je dis. C'est dur, hein. C'est dur. D'ailleurs, vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à vous dire si vous vous rapprochez de l'avis de Guillaume ou du mien. Voilà. Ou même donner tout simplement votre avis personnel. Bah, de toute façon, ce sera soit le tien, soit le mien, parce qu'on a les deux avis différents. Non, il y a peut-être aussi une autre possibilité. Franchement, je donnerais une pièce pour la victoire de Taker. Ah. Mais, franchement, je voulais pas donner truc. Moi, je le verrai quand je le verrai, moi. D'accord. Bon, on verra dans un peu plus de 5 semaines, du coup. Attends, c'est pas officiel encore. C'est quasi officiel. Ah bah, et il y a quelques minutes, toi, tu disais qu'il y avait encore les tests médicaux de l'Undertaker. Ouais, non, mais ça se trouve, ils sont déjà faits, on n'en parle pas, mais... Ah bah voilà. C'est presque obligé. Bon, ok. Bon. On peut clôturer le débat pour ce soir. Allons-y. D'accord. Donc, on en a eu deux pour la victoire... Enfin, on est tous les trois d'accord pour une rivalité Wyatt Taker et un match à Mania. Et donc vous êtes deux à penser que Taker devrait gagner. Et je suis le seul à penser que Wyatt devrait sortir vainqueur de cette rivalité. Après, moi, c'était un avis objectif, on est d'accord. Oui. Après, personnellement, oui, je préférerais voir Bray Wyatt remporter ce match, clairement. Ah ouais? Ah oui. Ah, personnellement, je préférerais voir Taker. On est totalement à l'opposé, quoi. Putain. Non, personnellement, bah, ça serait énorme pour lancer la carrière de Bray Wyatt, ça serait énorme. Ah, mais moi, je suis un grand fan de Taker. Et pour moi, moi aussi, je suis extrêmement fan de Taker, mais il a tout prouvé maintenant. Mais je serais presque. Si ce match arrive, je serais presque déçu si l'Undertaker gagnait. Pour Wyatt. Bah alors. Et c'est quoi ton choix personnel alors? Choix personnel serait quand même. Une victoire de Taker, parce que Taker, voilà, c'est le premier capture. Ah voilà, tu veux une victoire de Taker, mais tu serais déçu s'il gagne. Je serais déçu pour Wyatt. Je serais content pour Taker, je serais déçu comme Wyatt, comme je suis content pour Owens et je suis déçu pour Zayn. C'est la même chose, je serais content pour l'un, déçu pour l'autre. Oh, t'es vraiment derby, toi. Ouais, parce que t'aimes les deux, en fait. Ouais. Mais bon, à un moment, faut faire un choix. Bref. Passons au top 5, donc les superstars que l'on voudrait voir briller à WrestleMania. Zack Ryder, ouais. Zack Ryder qui défend son Internet Championship pour la première fois de l'histoire. Non, il a déjà fait contre JBL. Sérieux?
Oui, dans un JBL et notre Ah coach oui. chaud. Pitié. Ah oui, d'accord. C'est vraiment le Internet Championship, quoi, le truc qu'on voit pas à la télé. Ah oui. Même à la télé, ils en veulent pas. Ah, il est classe pourtant le titre. Avec logo Twitter et tout, c'est classe, moi j'aime bien. Et bon, on va l'offrir pour ton ami. Ouais. Bon, le top 5. Superstar qu'on voudrait voir briller à WrestleMania. Tu commences, Alex, avec ton numéro 5. Number 5. Ah mais c'est par... Donc. Oh putain. Non, mais tu t'en fous, tu donnes comme ça, Il en quoi. a Non, déjà enfin. chié à trouver les Ouais. 5 catcheurs, alors s'il faut les classer Ouais, en non, plus. j'ai pas envie de les classer. Alors, Seth Rollins. D'accord. Dean Ambrose. Attends. Quoi? Tu donnes le 5, et ensuite c'est Axel, Ah ensuite c'est d'accord, moi, ok. ensuite tu donnes le 4, Excuse-moi. etc. Donc vas-y, Axel, ton numéro 5. Moi, ce sera Kofi Kingston, numéro 5. Réellement, Oui. d'accord. Ah oui, parce que bah on justifie un petit peu, hein. Parce qu'on a l'habitude de le voir en mid-card, mais bon, je trouve que il est très talentueux, il mériterait d'avoir un WrestleMania Moments, voilà. En plus, je l'ai rencontré, voilà. Et il est très sympa, et voilà, il est très cool. On voit vraiment qu'il est comme ça dans la vie réelle. Et voilà, et après, c'est vrai qu'au micro, tout ça, bon, on l'a pas vraiment entendu en plus, hein, mais No j'imagine que. day. J'avais pas pensé à ça, mais. Voilà. Voilà, bon. Hein, vous êtes pas d'accord, vous? Il est talentueux, Kofi Kingston. Oui. Si. Commence peut-être à se faire un peu vieux, non? Il est plus, Ouais. il n'y a rien qu'avant. Bon, Il a. pour moi c'est trop tard, hein. Maintenant il en aura plus de WrestleMania Moment, mais il avait le talent pour. Bon, du coup, moi, mon numéro 5, Superstar NXT, Finn Balor. Oh ouais, toi, ça va être J'aimerais. un classement NXT, toi, je suis Non, non, sûr. non, non, j'ai voulu caler au moins une superstar NXT. J'ai choisi lui parce que faut avouer que son entrée en tant que Demon Balor à WrestleMania serait tellement énorme. Et rien que pour ça, j'ai envie de le voir à Mania. Bref, Alex, ton numéro 4. Alors, en fait, parce que, en fait, moi je précise que moi, c'est pas de 5 à 1. Enfin, je les ai mis, Oui, mais je les mets au pif, oui. quoi. D'accord. Donc, ben, moi, je remettrai Sami Zayn. Pareil, parce que, bon, ben, D'accord. c'était la meilleure superstar NXT. Je pense qu'il va bientôt monter. Donc, ouais, Sami Zayn. Très bien. Axel, numéro 4. Numéro 4. Bon, c'est un petit chouchou, hein. C'est vrai que je le défends souvent. J'aime bien son talent dans le ring. J'ai mis Dominique. Tyson Kidd, voilà. D'accord, très bien. Tu peux nous mettre Cesaro si tu veux, Guillaume. Merci d'avoir spoilé numéro 4, Cesaro. Hein. Je suis trop fort. Salaud. Putain, bah ouais, Cesaro, parce que c'est vraiment. Cesaro et Tyson Kidd sont vraiment énormes. Et un match pour les titres par équipe par WrestleMania qui serait vrai dans le pré-show, n'est-ce pas? Ce serait vraiment cool. Et. Bah, Ah oui, c'est vrai, quitte à ça va être prendre Kidd chaud. avec, ça pourrait être magnifique. Je vois Cesaro qui bien a dans le déjà fait. pré-show, hein, le match, hein. Ouais, mais Cesaro qui a déjà fait Malheureusement. ses preuves à WrestleMania l'année dernière. Même si après la WWE l'a lynché, mais voilà. Ah, je Mais. m'attendais vraiment pas à lui, hein, l'année dernière d'ailleurs. Hors sujet, mais bon. Ouais. Bah, il était même pas prévu dans le Bah match, oui, il quoi. a été ajouté à la dernière minute. Comme Mais son remplaçant de match je sais par plus équipe, qui. je sais pas si t'as vu le match par équipe qu'il a eu pendant le pré-show, mais il a été exceptionnel. Il a été génial. Personnellement, je l'avais vu en direct. Et le match était Ah, magnifique. j'avais dû le voir aussi, je me rappelle pas, mais j'ai dû le voir. Sérieux, quoi. Bon, numéro 3, Alex. Dean Ambrose. Pareil, ben, bientôt on espère champion intercontinental. Donc c'est obligé qu'il défendra son titre à WrestleMania. D'accord. Ah non, pour moi il va le gagner à WrestleMania. Oui. Oui, enfin oui. Oui, il va le gagner à WrestleMania. Je m'auto-contredis parce que j'ai dit exactement la même chose tout à l'heure. D'accord. Bah pour moi, ce sera pas original parce que c'est la même chose. Dean Ambrose, troisième. D'accord. Et ben moi, Dean je vais Ambrose. y aller. Fuck la police. Dolph Ziggler. Oh. J'aimerais bien voir Ziggler à WrestleMania, Que enfin à la avoir un titre troisième match. place. Putain. Ouais, parce que moi j'ai deux autres qui sont bien. Voilà quoi. Qui sont Et. bien plus nuls que Ziggler. Pardon. Tu veux un aspirine? Non, ça ira, ça ira.
Bah voilà, Ziggler, parce qu'il a droit d'avoir son WrestleMania moment, un vrai cette fois, et puis enfin le voir dans un match solo à WrestleMania, ce serait trop. Oh non, en équipe avec Ryback, tu te rends pas compte, toi? Ah, j'avoue, j'ai oublié. Ou un Six Man avec Eric Rowan, allez. Oh oui! Sans verrer JJ Security à Même WrestleMania. un match 1 contre 1 contre Eric Rowan, ça serait. Wow! Putain! Ah ouais! Non, contre Jimmy Noble. Bref, on va arrêter de tirer de la. Enfin bref, on va passer au numéro 2, Alex. Ben, mon numéro 2, c'est Dolph Ziggler. Bon, Axel, je crois Non, qu'on non, se non, mais connaît n'empêche, pour. il est dans les top 3. Hein. Ah ouais, mais vas-y, Axel. Mon numéro 2, ce sera. Non, donne directement. Voilà, tout le monde le sait, donc. De quoi? Fais-nous la surprise pour le numéro 1 et donne. Ah, bah, Non. le numéro 1, Dolph Ziggler. Putain, mais non, en fait, T'es con. d'accord, ok. Numéro 1, donc pour Axel, Ziggler, super. Donc pour moi, numéro. Bah, donne ton numéro 2, et puis voilà. On Bah finit oui, avec un. mais c'est pas ça que tu voulais. Non, je voulais que tu donnes au numéro 2 Dolph Ziggler et garder ton numéro 1 en surprise, parce que tout Bah le monde savait que non, mais depuis quand je mets Dolph Ziggler en t'avais numéro 2, t'as rêvé, Ziggler. toi? Parce qu'il est nul! Il est Oui, c'est nul! ça, c'est ça, c'est ça. Non, moi je mets Dolph Ziggler en numéro 1 et mon numéro 2 est Seth Rollins. Voilà. D'accord. Bon, bah, moi, mon numéro 2, c'est Seth Rollins aussi. Nous aussi, tous les deux, enfin, tous les trois, Attends, donc. qui t'a mis en numéro 1? T'as dit Dylan Rose, toi, déjà, Guillaume? Non. Ah bah voilà. Non, même pas. Sérieux? Alors attends. Chut, chut, chut. Donc, moi, numéro 2, Seth Rollins. À toi, Alex, pour ton numéro 2 aussi. Non, moi c'est mon numéro 1. Putain, c'est qui ton Oui. numéro 1? Ah bah c'est bon, je l'ai. Moi c'est mon numéro. De quoi tu l'as? Le Non, mais vas-y, Alex, numéro 1 numéro de 1. Guillaume. Donc moi, mon numéro 1, c'est. Ben en fait, je savais pas. J'avais personne. Donc juste pour la classe, pour un petit vieux de la vieille, Sting. C'est tout, je savais pas qui mettre. Ouais. Putain, désolé. C'est vraiment Craquage parce que tu petit savais pas bouche. qui mettre. Donc. Ah si, Ah, mais Orton, je sérieusement. vais mettre Orton. T'es Ah. sérieux? T'es sérieux? Non, mais non, t'as Tu pas veux mettre droit, qui? quoi. Anne Vogel? Je sais pas moi qui mettre. Je sais pas, mais. Biggie Langston. Ah, crois-le. Moi, je sais pas. Non, c'est juste pour le Mais coup de. attends. Mais les Uso, et puis le coup de voilà. chapeau de. Voilà, la carrière, c'est tout. D'accord, donc Sting numéro 1. Mais Et c'est pas. pas. Et Vas-y, mais c'est pas numéro 1, moi tu j'avais penses. mis au pif. D'accord, et donc, Axel, tu penses que c'est qui pour moi? Bray Wyatt. Bray Wyatt numéro 1 pour moi. J'étais J'avoue, obligé. j'aimerais bien voir Ambrose briller à sa manière, mais je préfère voir Wyatt. Ah, je pensais que t'allais mettre Rollins ou J'ai mis Ambrose Rollins. en premier. Ah, en premier. Bah. Ambrose, je l'aime bien, mais je sais pas, je préfère Wyatt. D'accord. Puis Ambrose, je sais que s'il est à WrestleMania, il va faire un truc de taré. Déjà, quand tu vois ce qu'il fait, un Raw normal, un Raw random, voilà, tu sais qu'à WrestleMania, il va péter un câble. Voilà, quoi. Bon. Après, il faut pas oublier aussi la 30-man Battle Royale à la mémoire d'André the Giant. Je sais pas si elle y sera. Si elle y sera, normalement. Ça a été annoncé comme Normalement. annuel, comme truc annuel. Normalement, mais tu connais la WWE, elle est pas toujours très logique, hein. Ouais. Ça serait bien que ce soit respecté, j'aimerais bien, moi. Ouais, j'aimerais bien. Ça remplacerait la tradition du Money in the Bank qui avait lieu tous les ans, qu'on attendait tous les ans. Mais je crois qu'il va falloir un Money in the Bank à NXT. Ouais, les rumeurs c'était ça, Ouais. qu'ils voulaient ramener un Money in the Bank NXT pour le Ouais, titre non. NXT, mais Justement, j'ai lu l'inverse moi dernièrement. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, que. Je sais même pas si je l'ai lu ou si je l'ai entendu dans une interview de Triple H. Comme quoi il voulait pas que. Non, c'est Triple H qui a dit ça, je crois. Je me demande si c'est pas sur le WWE Network, dans son interview. Il disait qu'il voulait pas qu'on confonde NXT avec le roster principal. Et donc il voulait pas qu'il y ait Non, ça de. c'était pour dire que fallait des matchs pour le titre NXT que dans les special Pay-per-view, events ouais. de NXT. C'est pour Ou ça. l'inverse de tout weekend. J'avoue. Bon, bah sur ce, on va clôturer cet épisode 8 du Putain, je manque. podcast. On aura enfin réussi à tourner si l'enregistrement a Enfin. fonctionné quand on cliquera sur Oui, stop. voilà.
Putain, oui, ça c'est le stress. C'est le suspense de la Vous le soirée. saurez, mais nous Il là est on est en plein actuellement minuit stress. 16 quand on est en train de tourner le podcast, donc voilà. Voilà, et donc là c'est un peu le stress pour savoir si ça a marché. Non, mais normalement, il y aura plus de soucis, hein. Là, on a vraiment pris nos précautions. On a tous les trois enregistré de notre côté l'émission pour être sûr que ça ait marché. Sauf si l'émission épisode, enfin, sauf si l'épisode 8 est réellement maudit, dans ce cas-là, on passera au 9 Ah la oui, semaine parce que prochaine. celui-là a vraiment été maudit, hein. Combien de Ouais. fois on l'a enregistré? Combien de fois on a parlé pendant plus de 2 heures pour rien? Ouais. Parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Voilà. Bref, vous le saurez directement, hein. Et donc voilà, on peut s'arrêter là. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, revenir sur Raw, NXT. Donnez votre avis sur le débat et nous donnez votre top 5 des superstars que vous voudriez voir à WrestleMania. Mes testing. Voir briller, Mes WrestleMania. testing. Y voir briller, ouais, voilà. Oh, Et puis surtout je m'en mettez veux pas encore. Sting. Je m'en veux de mettre Sting. Ah, J'aurais dû bon, mettre mec un de mot de la fin. NXT, je sais pas, au pire. T'as dû mettre Sami Zayn. Je l'ai mis, T'aurais mis Dolph je l'ai mis Ziggler en Zayn. numéro 1, c'est tout, c'est tout. Bon, attendez, Il était déjà pour qu'on dedans. clarifie, je vais refaire mon classement. Parce que moi j'avais pas fait dans l'ordre. Alors, cinquième, comme je l'ai dit, je peux pas enlever Sting. Quatrième, Zayn. C'est le décalage horaire, excusez-le. Troisième, Seth Rollins. Deuxième, Ziggler. Premier, Dean Ambrose. Voilà. D'accord, ok. Comme ça, on est d'accord. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bah, Axel, tu fais la petite promo. Oui, donc merci à vous d'avoir suivi ce podcast numéro 8, en espérant qu'il vous ait plu. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast numéro 9. On reviendra sur Fastlane, puisque Fastlane c'est dimanche. Donc en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver en direct ce dimanche à partir de 20h30, je crois. Je crois que c'est 20h30, oui. Je crois aussi. C'est à 20h30, donc en direct sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez la preview live de Fastlane. Donc on donnera nos pronostics pour le pay-per-view. On donnera nos avis sur l'avenir des superstars, notre avis sur l'actuel Road to WrestleMania. On donnera notre potentielle carte de WrestleMania 31. Donc bref, on parlera de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à nous retrouver en direct ce dimanche à 20h30. Pour ce qui est de ce podcast, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, comme vous l'a dit Guillaume, en nous donnant votre avis, que ce soit sur le débat, votre top 5, ce que vous avez pensé de Raw, etc. On lit tous vos commentaires et on y répond. Et n'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner si, bien sûr, notre contenu vous plaît. Je pense que j'ai tout dit. Et si vous voulez être informé sur la WWE, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.catchactu.fr. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience Catch Actu et que vous avez envie de devenir rédacteur sur Catch Actu, sachez qu'actuellement nous sommes en période de recrutement, donc n'hésitez pas à postuler. Il y a en haut à gauche du site une rubrique qui se nomme Rejoignez notre équipe. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire et on vous contactera sous 24 heures. Et voilà, on vous fera passer des tests pour rejoindre notre équipe. Il y a plusieurs postes disponibles. Voilà. J'ai tout dit. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, Un je mot de laisse la la fin parole à peut-être? Guillaume. Un mot de la fin? Alex? Si tu veux. Sting. Axel? Coloquinte. Quoi? Je sais pas. Quoi? Oh, Bah, bref. j'avais sorti Topinambour, je crois, une fois. Alors maintenant, ce sera Coloquinte. D'accord. Tu Bah, connaissais pas moi. les Coloquintes? Non, je sais même pas ce que Je c'est. crois que c'est un fruit ou un légume, mais qui est inutile. Genre, ça se mange pas. Ça pousse, Oh mais la ça se mange pas. vache. Je vais aller voir sur Google après. Coloquinte. Bon, bah moi ça sera comeback enfin. Ah oui. Et ouais. Et donc C'est bah plus classe que coloquinte, en effet. j'avoue. Donc on se retrouve la semaine prochaine Ce pour le sera le nom du podcatch. podcast 8, coloquinte. Non, je rigole. On se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 9. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à Bana. Coloquinte. Ciao.